C'est le premier. Mais non. Si, Goodbye Goodbye Deponia, c'est le Deponia, c'est premier qui est 2008, sorti en 2012. Chaos in Deponia, il est sorti en 2013. Et Deponia Doomsday, il est sorti en 2016. Et je pense pas qu'il nous ait fait une Star Wars, donc... T'as de sortir la suite avant la fin, avant le début. Chaos in Deponia, Chaos in Deponia, Deponia Doomsday. Ah ouais. Donc voilà. Donc bonsoir le live, bonsoir l'ardif. La quatrième. Quoi? Je me suis dit que c'était la quatrième. La quatrième, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Bah, sur Wikipédia, il y a Deponia. Welcome to the. Non, je me fais plus. Welcome to Deponia, je me fais plus quoi le deuxième nom. Deponia, Chaos and Deponia. Goodbye Deponia et Chaos and Deponia. Et Deponia Doomsday, pardon. Enfin, quatre parties, hein, apparemment. Ou alors Deponia, c'est le truc global. Oui, non, Deponia, c'est le truc global. Moi, j'ai que Chaos and Deponia, Goodbye Deponia et Deponia Doomsday. C'est juste pas dans le bon ordre. Chaos and Deponia, c'est 2012. Goodbye Deponia, ce que je regarde là, c'est 2013. Et Deponia Doomsday, c'est 2016. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 ans quand même, hein, entre les deux. Hein. Ouais. Bon, ça fait 2 minutes qu'on a lancé. Ah là, paf! Oups. Ça a commencé. Ouais. Voilà, Ah ouais. ton son sature, c'est assez bizarre. Ah ouais, ah, désolé. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu éloigné mon micro de ma bouche. Ah oui, là, c'est ça, on était... Ah putain, ça, on devait refaire le... On était au tuto du troisième Ouais. jeu, du coup. Avec Pony. Notre ex. Putain. There's nothing else here you can teach me. Alors en même temps, je me fais mes tacos de saumon. J'y vais fêter ta cause. Tacos saumon chèvre. Everybody knows that. Je sais même pas si j'ai envie de chèvre. Je peux faire des tacos saumon chèvre. Putain. Je vous fais partager mon même avis en même temps. Bon, je vais passer un peu parce que. Putain, mais. On est vraiment obligé de tout refaire. Le deuxième, on a été épuisé, non? Ah si si, là je suis obligé de le refaire. À chaque fois on a dû le faire. Ah ouais? Au début du premier, au début du deuxième et au début du troisième. Pourtant au début du premier c'est normal. Ouais. Au début du deuxième, je me souviens, Après, même au début, on a déjà joué. Même au début du deuxième, les personnages te disent que c'est complètement con un tuto dans un point and click. Oui. Mais j'ai perdu je crois. Oh putain tu me fais chier. Tu me fais chier Tony. First time round, it was the cathode plunger. Then it was the reactor thing head. Can't you guys just be consistent? Whatever. Call it what you want. You just need it to rip. And how, pray tell, am I supposed to do that when I can't even? Tu fais clic. Quoi? Le tuto, le deuxième tuto, c'était Doc, non? Il l'avait fait. Ouais, c'était Doc. Le premier, c'était Weasel. Ouais. Weasel. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le petit roux, quoi. Where did it go? Didn't you say you know what you're doing? Putain. Mais en plus, il fait exprès refus, il est en mode oh bah qu'est-ce qui se passe? Oh bah il est passé où? Il est passé où? Oh, je sais pas, connard, au hasard dans ta poche. Là, je comprends Tony sur ce coup-là. Là. J'ai pas écouté ce qu'il m'a demandé. Bah attends, je vais te dire. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Il fallait faire réparer le bordel. Ouais. J'avais pas écouté, mais c'est bon. Yeah, you will. My tinker... Regarde Tony, j'ai réparé le bidule. Eh, hey, regarde, regarde, hey, regarde. Non mais à chaque fois que je fous l'inventaire, il y a un truc qui tombe. It fits. The next thing you have to do is. Hey, hey, you don't have to hold my hand. I can manage the rest on my own. If you say. Hop là, appuyons sur le bouton. When you're ready, you... No, 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 no. Hang on a minute. C'est juste un bouton, je peux m'en démerder. What would you say if this time I left the honor of pushing the button? Oh merde. To you. Fine. I had a bet with Doc that you couldn't do this. What? I did do it. The press works. Here, I'll show you. Now I owe Doc 5 zlotys, but it was worth it. 5 zlotys, putain. J'aime plus la monnaie de quel pays, ça, les outils.
Oula, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe à Zalem là? C'est Elysium, Zalem, c'est dans une autre franchise. Bon, on va voir les avocats. Ouais, Elysium, Elysalem, c'est pareil. On va voir les avocats de Gun sur le dos. Bon, maintenant ils sont au courant du coup. Ah! Ah bah ils sont courants mais ils sont battus les couilles apparemment. Eh bah yes! Ça, ça pue la merde ça! Pas dingue. Tu me rappelles bien, on a sauvé toutes les ghouls et c'est Dora qui est avec. Donna, ouais, qui est parti avec le truc. Donna, oui, pas Dora. What the fuck? Qu'est-ce que... C'est ça avec l'Elysium? Ouais, un vieux toboggan tout merdique. Ah, chanson. Jamais fait. So this is the third strike, you're dumping me just like a trash bag. Why? Just because of some muss. Tad on the carpet, you pathetic doghead. I assume that you're human to just find the dust. But this isn't over yet. Yeah, you can bet on that. The last part of my day will surely appease and change your mind anyhow. So turn on your deaf aid now. The story goes on for good things come in threes. The song of things come in threes. Mais ça veut plus rien dire ces trucs. Non, non, ça veut jamais, ça n'a jamais voulu dire quelque chose. Ah bah attends, sors de ton aquarium et remets ton sonotone. Ah non, c'est Goodbye Deponia celui-là. Quoi? Je comprends plus rien. Ah bah alors? Ah bah t'es quelqu'un qui avait raison. Ah putain, ah bah non, y'en a bien 4! Yes, du coup on est reparti pour 3 mois. Ah ouais, putain! Y'a Deponia, Chaos and Deponia, Goodbye and Deponia et Deponia Doomsday. Oh bordel de merde! Ah, ça veut dire que je suis pas totalement demeuré, c'est cool ça. Ah, il fait de la cuisine. Take it easy. I'm just making breakfast here. Fried sludge with honey. Putain, on s'entend même plus parler avec Bozo qui ronfle, c'est assez terrible. Mais putain, mais quel porc. Oh, il y a un œil. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est vivant. Ah merde. Oh putain, mais quel con. Oh là, il y a un petit bug de bouche là, notre cher poteau là. You steered us onto an Organon cruiser route. Yeah, and it'll take us directly to the Upper Ascension Station in Porta Fisco. Where the Organon's headquarters are. And where the last high boat to Elysium is anchored. That was the plan, wasn't it? I will use my amazing resemblance to Cletus. Oh là là. Sneak on board. Oh, ça pue la merde. Oula, oh ça va jamais marcher. Let's eat something first. That's the diving crane. I've got a bite. I thought we weren't on the water anymore. So what? What do you mean, so what? So what took the bait? Oh merde! C'est quoi qui meurt? Oh bordel de merde! Quoi? Ah, il fait frisquer. Non, ça sert à rien d'ouvrir la porte, Gaul. Ah merde, attends putain. T'as, Bozo, réveille-toi par contre. Bon, allons voir le pont là, voyons voir ce qui se passe. Parce que c'est parti en couille depuis 4 secondes. J'ai une conscience, c'est déjà la merde. Putain, elle est passée où la Ginette là? Ah ouais. Alors, vers la poupe.
Ah ah, ouais, c'est effectivement un problème. Oula. On n'est pas les seuls sur la route visiblement. Oh putain, et puis comme par hasard l'autre il est à bord, forcément. Oh bah forcément. Oulala. Oulala, 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 Odona. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle a, Odona? Elle est complètement buggée. I know that. She's a Deponian with a brain implant, which also happens to contain the cartridge with the mind of your fiancé. No, it doesn't. Do you think this sounds like goal? Chew flesh from their ankles! Rotten vinegar! Oulala, oulalalala. She's about to have, visit... Oh mais non, mais non! Mais non, mais putain, mais ce mec! You fool! Excuse me, bailiff, sir. Oh putain! Peut-être qu'elle est elle est gênée d'être arrivée par un par tel coup du débarquement en zone rouge là. C'est terrible ça putain. Ok, le pire c'est qu'on s'est accroché et que personne n'a remarqué quoi mais. Vers la poupe. On n'est pas accroché, c'est eux qui nous poussent. Ah putain, goal. Non, en fait, ils nous ont harponné, c'est con, il s'est passé quoi? Mais non, c'est la grue, c'est lui qui est en train de. Ah, mais oui, bah oui, oui, non, putain, on s'est harponné comme des cons. Oh putain, signal! Ah merde! Oh putain, what the fuck? Oh là là. Ok. Ah, c'est pas bon signe ça. Ah, c'est bon. The crane might break at any moment. I need to do something. Anything. You've chosen a romantic location. Well, you refused to go to the theater. The seats would have been more comfortable. For starters, you might want to tighten the screws. In the meantime, I'll try to free the cable. Consider it done. Vis du mille. Hey. Ah non, c'est un mini-jeu. Ah merde. Ah. Oh, oh merde. Non, on s'appuie. Les règles. Ah, on a décroché une vis. Ouais, je l'ai peut-être fait. Ah. Il y a du progrès, ouais. Je pense que t'étais obligé de. Ouais. Non. Quoique, peut-être pas. À voir. Non, je pense que si. C'est pas moi. Oulala. S'accroche à Gaulle. Il y avait des ornithorynques volants. On va revenir un peu là. Attends, mais je vais me faire rouler dessus, moi. Non, on s'est pas accroché à Gaulle. Ah, si. Tu les as vus, les platypus volants, ou pas? Non, je vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est hyper bulky. Pardon? J'ai un fan? Quoi? C'est vrai qu'il habille un peu comme nous, mais. Quoi? Qui c'est que ce trisomique? Je vais le prendre par surprise avec un coup de karaté spécial, je vais nouer ses lacets ensemble, désintégrer ses attaques de blackout. Un pro ne dévoile jamais ses bottes secrètes. Ouverture du diaphragme, ouais, on va peut-être éviter ça. Non, c'est pour l'appareil photo, mais on a dit qu'il va parler. Ouais, j'espère. Ah, le mec, il est quand même cool, hein. Le mec est quand même cool, allez, il est super, tranquillou. Allez, ce que vous allez faire. Allez, moi, je veux savoir, je bougerai pas tant que je saurai pas. Allez. J'ai rien planifié, fais-moi une suggestion, allez, hop. Il va être très vite. Ah! C'est pas faux. Bon bah. Ninja karaté!
Par contre, dans tous les cas, on le prévient, genre, c'est vraiment de la merde comme il est. Ouais, c'est ça. Il doit réduire le champ d'explosif. J'arrive déjà pas à me tenir en l'air, donc... Bah on va nous essayer la séance ensemble. Ah, ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai que pour nous les lacets, il faut... Ça va, Gaul? Tiens bon, Gaul. Ah ouais, bah écoute... toutes ces années de soldes dans les grands magasins, ça paye, hein. Oh le con. Oh le con. Vas-y, prends la photo pendant qu'il a ses lunettes de vision nocturne. Ah, on voit plus rien. Je suis aveugle, je suis aveugle. Yes. Mais c'est un Grimlins en fait, il a fondu. Non, il est tombé. Il est tombé, il est tombé. Mais quel enculé. Putain. Ouais, bien sûr. Tu vas sauver Gaul. Qui? Ah oui, elle. et putain, on discute. Nous devrions en profiter pour faire une interview. Oh ouais, chaque chose en son temps. Mais bon, on a enlevé quoi si... Enfin, j'ai pas compris ce qu'on a enlevé à Gaul. Bah, c'est fringue. Bah non, elle est encore habillée. Bah, elle est en sous-vêtement, là. Ah où? Bah, regarde bien comment elle tourne, mais elle est en sous-vêtement, là. En même temps, elle a la peau blanche aussi blanche que ses vêtements, là. Comment tu veux qu'on sache? Ouais, bon, il sait déjà tout, ok. En fait, je sais déjà tout. Ah putain, merde. Tu veux me faire une petite session photo? Oh putain, non mais c'est vraiment le roi des fils de pute, hein, c'est terrible. Putain, oh là 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 là. Alors, voyons voir. On a rien. Putain, on a fait tomber 15 000 trucs quand on ouvre l'inventaire. Alors, voyons voir. Un canon. Oui, c'est incroyable. Et un... Est-ce qu'on tire sur un col? Mais non. Je vais te tirer de là. Il va me tuer. Le canon est faussé vers la couche. Je vais vraiment tirer dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Levier. Ça va tout arrêter. Ah non. Ça va dégager un levier. Le levier va tout arrêter. Oh, en train de Daniel, elle a lancé un live. Waouh. Je crois qu'il faut faire arrêter. Ok, je sais pas en fait. Les deux sont dangereux, genre. J'ai tellement envie d'accélérer. Et en fait, les deux sont dangereux. Dans tous les cas, il va se faire éjecter soit par l'arrêt brusque, soit par l'accélération brusque. Ah merde, mais je vais tuer d'un quel autre. Ah bah non. Ah bah oui, merde, on accélère. Ah bah arrête-toi du coup. Oui, comme ça, ça va freiner le truc. J'ai accéléré pour freiner. Ouais. Et oui. Ah, et merde. J'ai bu une gorgée de bière, ça me va faire atterrir les bateaux. Oh là. Oh là là.
Oh là 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 là. Oh, ça va partir en couille, il y a une puissance monumentale. Et on voit même plus Gaul. Ça va, Gaul? Je vais te sauver, connard. On arrête admirable, on va le remettre. Y'a moyen qu'on retouche au levier ou pas? J'espère. Mais arrête d'accélérer! Ah merde. Oula, oula. Oh là là, oh là là là. Succès déverrouillé à fond la caisse, oh merde. Ah mais au moins on a déverrouillé un succès. Mon pote a pris feu. Ah! Vite, une hache! Qu'est-ce que... Je pense son appareil photo ou pas? Ah oui, c'est la hache anti-incendie, putain. Ah, il s'appelle Barry. Barry Allen. Ouais, tu veux que je fasse quoi? Hey, Gaul! Prends le tuyau. Elle est carrément chaude. Mais quel con! Attends. Si je fusionne la hache au tuyau... Non, comment je fais? Je tape le canon avec la hache. Oh non. Feu! Ah! Gaul, t'as une hache à côté de toi! Serre-t'en-en! Non mais serre-toi de la hache! Tiens, je t'envoie un tuyau! Mais non, mais je peux vraiment! Oh là! Oh là 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 là! Attends, quoi? Oh merde! Oh merde! Qu'est-ce que. T'as vraiment tout pété, genre. Ah, oula! Ah, j'aurais pas fait ça, tu vois! J'aurais vraiment pas fait ça! Ouah, wow, on a réussi à la choper. Ouais, j'ai réussi à la choper. Oh putain! Ah, Doc. Quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte. Musique. Oh, d'accord, bah, sur Bozo. Musique. Ah. The cutter struck sails, wrecked Estonia's mum scales, and of best much a whale for the long road ahead. Still the mood and the groove. Ah oui, d'accord. Yeah, except that they slowly grew ripe for the bad. For they knew that they would have to go on by foot. No problem for such a walk is all the less stressful if you sing along with a motivating song. And to emphasize this, I flap the cabin of the coast guys with helium gas. Avec un peu d'hélium. Oh putain. La 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 la. Aïe 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 aïe. C'est terrible. En vrai, je suis content de ma connerie du coup. Mais faire, je pense. Ah, j'aurais bien aimé voir ce que ça fait quand on ralentit, tu vois. Parce que là j'ai accéléré comme un abruti, mais quand tu ralentis, il doit y avoir quelque chose de différent aussi à mon avis. Putain, ça y est, on a un... Ok, il est schizophrène. That was so cool. They call him Rufus. Rufus. Everybody now. He's cool and he's smart. On l'appelle Rufus. Attends, mais l'air. Attends, mais c'est la bande à Picsou qui chante. What? Hey. Where are you going? There's a hotel. Scott is Rufus. Rufus. Especially for my ears. Aïe aïe aïe. Un hôtel, bon. Ah, la bande son qui déchire. Are you mad at me? Dirty, battered, humiliated, all of that. But mad at you? No. Oh merde. It was actually kind of cool. Oula. Oulala.
En général, une gonzesse qui te balance plein de saloperies dans la gueule, mais qui te dit « Est-ce que je suis en rencontre contre toi ?» Non. C'est-à-dire qu'elle t'en veut, mais genre à mort. Bon. Bon, bah j'ai qu'une seule option. Bon, c'est un peu long, là. Ah, ça devient long, là. Ah, on commence à s'emmerder, là. Ça commence à se voir. Il va se péter la gueule. Mais non! Sombre et raide et glissant. Il faut sauter. Ah, mais quel abruti! Il va tomber sur Gaul, mais. Non, non, c'est fou. Ah, oui, ils sont tous partis déjà. Oh là, il y a trop de trucs. Porte des toilettes, on va commencer par ça, indispensable. Sympa ce petit truc. Bon, y'a que l'organon qui peut s'en servir du coup, mais. Are you ever coming out of there? Don't rush me. Ah. I'm suffering. Ouh. Oh oui, je vais te laisser tranquille, mon vieux. Ouais, t'inquiète, pas besoin de me donner les détails. Arrête temporel aigu. Yes. Incroyable. Ah, c'est le docteur. You mean you come from the future? Le voyageur temporel. Ah oui, le docteur Wu, enfin, le... Je que tu parlais du dog. Je... Ah non, non, non. Il est souvent malade? Non. Non, mais bon, hein... Il y avait... Ah, il y avait... Attends, mais si... Je sais plus. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je pense qu'il faut pas chercher de sens au dialogue avec les personnages. Je suis en train de discuter depuis 5 minutes avec un mec sur les chiottes. Oh, avec le bruit, oh non. J'ai mangé du chili pendant la guerre civile. Ah putain, le bruit en plus derrière. Ah non, moi c'est bon, j'ai pas le bruit, je suis content. Moi j'ai le... Infâme. Nickel. Bon, on va commencer par la droite, hein. Ok. Oh, y a... Oh, y a beaucoup trop de trucs. Qu'est-ce que c'est que cet open world? Bon bah, porte de chambre. Bonjour. Ok, donc là-dedans il y a un JDR. Oh non. C'est la résistance. Oh oui, je vais avoir une boss. Oh merde. Oh, encore lui. Qu'est-ce qu'on va lui voler cette fois-ci? Ah, il y a encore son bac en petit. Alors. Je crois quand même que vous êtes le diseur de bonne aventure. C'est un mannequin à chapeau. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est bourré. Qu'est-ce que vous me marmonnez? Qu'est-ce que tu marmonnies juste avant là? What was that mumbling just now? Are you talking to yourself? I don't know what you're getting at. It sounded like some sort of dubious apocalyptic sermon, like you might expect from some sinister sect leader. Ah, yes, that. Normalement, j'ai un nouveau son. Titanesque. Ah, d'accord. Une comptine pour sa nièce, c'est le truc cramé dans le bocal, sa nièce, ou... Putain, il est en train de chanter l'autre, juste pour nous faire croire qu'il était pas du tout en train d'essayer de faire une avocat. Une avocat, c'est magnifique. Ah, il le dit avec un accent français.
Il lui dit la gueule. Moi, ça me dit Émile Louis. Je sais pas. En plus, il l'a dit en français en mode Émile Louis. Aïe aïe aïe. Nickel. Nickel, je parle d'Émile Louis. Attends, c'est quoi, c'est une référence? J'ai pas compris. J'espère que c'est pas une référence. C'est une référence à Émile Louis, c'est pas ouf. C'est quoi, c'est qui Émile Louis? Mais. Le pédophile. Émile Louis. Ah, mais je le connais pas. Ah, bah c'est un. Je me renseigne pas sur ce genre de choses. Je veux dire, célèbre. Un célèbre pédophile français. Un pédophile français? C'est pour ça qu'il l'a dit avec un accent français! J'espère pas! Ah bah il l'a dit, je te promets qu'il l'a dit avec un accent français! Ah c'est. Bah alors. Ah! Ah! Attends, Twitch, ne me bannez pas s'il vous plaît! Ne bannissez pas! Émile Louis dit le boucher de Lyon. Il est un tueur en série français, il a voulu assassiner de 7 jeunes filles handicapées disponibles en 1970. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et torture sur son épouse et sa belle-fille, atteinte sexuelle sur un mineur. Il a pris que 20 ans? Non, il a pris aussi 5 ans de prison pour atteinte sexuelle, 4 ans de prison encore pour atteinte sexuelle sur mineur. Ouais, on a 29. Et après, en 2004, il a eu réclusion perpétuelle. Réclusion criminelle à perpétuité pour l'affaire des disparus. Ah bah yes, bah voilà, c'est bon. Je voulais juste savoir s'il était en taux la vie ou pas. Ouais, non, il est bon, il est... Et c'est un coup de fer de bus. Et il y a une blague, c'est le bus d'Émile Louis. Ah. Voilà. D'accord. Bon, le jeu, c'est des bonnes références, mais il est peut-être allé un peu loin, là. Bonne référence. Non, ça, dis donc. Ça m'a un peu étonné qu'il... Bon, après le mec qui a fait le jeu, il est allemand, donc... Ouais. Ça aurait été un américain, on n'aurait jamais eu de référence comme ça, donc forcément que ça n'aurait. Le mec a déjà dû venir en France ou quoi pour... Aïe, aïe, aïe. Ah, terrible. Mais putain, mais... Aïe, il me gonfle, ce vieux. Le monde va pas disparaître aujourd'hui, parce que je suis là. Tout va bien, parce que la cavalerie est là. Après Soir 3... Attends, Soir 3, c'était pas une émission sur France 3, justement? Si, c'est l'émission qui est après le JT. C'est l'émission du soir, à partir de 23h, je crois. Mais putain... Mais stop les références à la France là. Mais je crois que c'est la traduction qui a fait ces références. Ah peut-être. La traduction est vraiment bien faite, je trouve. Oui, elle est super bien faite. La VF est vraiment super bien. Mm. Alors, du coup, j'écoute pas. Ah oui, en français, il faut aussi référence à Émile Louis. Mais je sais pas s'il dit France 3, Soir 3. J'ai pas écouté. Moi, j'ai pas le son, donc je crois pas. J'ai pas écouté s'il a dit Soir 3 ou Night 3 ou je sais pas quoi. Je trouve qu'il fait référence à une autre... C'est possible aussi, peut-être une chaîne allemande ou anglaise. Ouais, ils ont adapté, tu vois, pour ça. Ouais, c'est ça. Et vu que c'est bien fait, ça... Je vais essayer de monter légèrement les voix après, parce que je les entends pas beaucoup. En fait, quand l'un de nous deux parle, je les entends pas très bien, les voix. Ah. Donc je vais les augmenter un peu, je pense. Il faut bouche-tronner. J'écoute la moitié de ce qu'il dit parce qu'il me gonfle ce truc. Par contre, c'est-à-dire que dans chacune des portes, on peut rentrer. Elle est énorme, la map. Oh. En fait, on va faire tout le jeu dans cet endroit. C'est possible, ouais. Attends, il n'y a pas moyen... Non, putain, quand je suis en dialogue, je peux pas changer. Bon, tant pis. On fera ça à la fin du dialogue. Qu'est-ce qui vous fait penser que la fin du monde approche? L'horizon était en flamme. Non, ça, c'était ma faute. Alors en fait, puis une pluie de feu s'est versée sur les yeux. C'était également ma faute. j'adore la répartie qu'il a. Okay, I get it. My little barbecue party got a bit out of control. So what? But that doesn't make me a horseman of the apocalypse. Yeah, I know it said so on the flyer, but that was just for PR. Mais putain, mais. Mais quoi? Puis-je avoir votre peignoir? Et pourquoi j'ai cette option? Ouais, j'ai fait ton peignoir, allez vas-y, tant qu'on y est. Il est sous ce peignoir. Oh! Non. On va participer.
Non, il participait juste pour avoir, juste pour faire des esquives avec Gaul, quoi. Il nous faut un peignoir. Putain. C'est une référence à DSK quand on rentre dans la chambre avec le peignoir et Gaul. Là, je ne réponds plus de rien. Oh, allez, vas-y, file ton peignoir! Je vais tellement le faire chier qu'il va me la donner. Oh, spare me. I'm out of here. I have seen it otherwise. Allez, file le peignoir! Ok, il n'y a plus de dialogue. Qu'est-ce que tu fais ici? The world doesn't come to an end every day. I want to look good. Ça risque d'apprendre du temps. I see. Well, this could take a while. Bon, ouais, on peut plus rien pour vous. You're beyond help. Allez. Comme pour nous tous. Mais putain, ça va les mots gothiques là. Alors, on va se taper une petite sauvegarde. Tac. Et je vais un peu up les voix. Comment je fais ça? Parfait, ce point est nickel, il n'y a aucun souci. Non, à mon avis, il faut que je fasse échappe, paramètres, voix. Et j'ai mis les voix à fond. Alors, allons voir. Dentifrice. Like taking candy from a baby, just with fewer cavities. Hop là, peut-être encore un poil fort. C'est peut-être un peu un poil fort maintenant. Voilà, ça m'ira bien. Bon, lui a piqué son dentifrice. Capuche. Ooh, I see an invitation for a fabulous prank. I'm already une blague fameuse. Ok, j'ai dû dormir pendant les années 2000. C'est quoi la prank de la capuche? Je ne dis rien. Parce que tarentule en bocal, c'est une araignée. Ouais. C'était une araignée ce truc. Mr. Toffee, weird name for a tarantula. Dans le bocal. Oui, non, mais d'où c'est une araignée, genre. Je sais pas trop. Moi, je pensais que c'était une aile qui avait à gauche. En fait, c'est son cul. Ah ouais, quand tu t'approches un petit peu, bon, toi avec les 480p, tu verras rien. Mais putain, quand tu t'approches un petit peu de l'écran, effectivement, c'est une araignée. Bon bah écoute, sortons hein. Et allons se taper le reste de bord de ciel. Alors, bah écoute, allons à la porte en face. Locked. C'est verrouillé. Doc? No answer. Pourquoi Doc? Ça peut être n'importe qui. Locked. Gold? No answer. But there's somebody in there. I hear voices. Ok, donc il y a quelqu'un dans cette porte, dans ce placard. Oh, thé d'oreiller. On a volé une thé d'oreiller. This pressure. What if I fail? And the world really does. Ah, d'accord. Refuse qui pète un câble. Je suis le meilleur. That's nice. Then I can come in. What? No. Oh, c'est la meilleure réponse de l'univers. Hello. Il y a personne ici. Bon, bah alors je peux rentrer du coup. Oh, il y a un fantôme. You're seeing a ghost. Vous voyez des gens qui sont morts. The creepy sort that hang around in dark hotels and are eternally trapped between worlds until their poor souls finally find relief. I'm not a ghost, and it would be a release if you would disappear. Not so hasty. If you aren't a ghost, what are you doing here all by yourself in the dark, right next to that peephole into the next room? Attends quoi?
Ah, attends, ça fait aucun sens. Il y a un problème. Le genre, tu vois, il disait que il dit le trou vers l'autre chambre. Tu sais, c'est le trou qui est là, là. Ouais. Le problème, c'est qu'à côté, c'est le placard. Alors, à moins, toi, on voit un bout de mur. Donc, à moins que le placard soit dans ce bout de mur, et tu sais que les deux chambres, je sais pas si tu vois un petit peu comme. Tu sais, les deux chambres sont en U et t'as le placard en haut. Ouais, oui, c'est les mêmes. Ça peut être ça. Mais dans le pire des cas, ça donne chez l'exorciste. Alors, à moins que tu veuilles le voir se masturber devant sa tarentule, bon bah. C'est l'exorciste, c'est pas la salle où il y avait personne et on avait crié de. De quoi ? C'est pas plutôt la salle où on avait crié. Non, justement, la salle où on a crié, c'est le placard. Ouais, bah voilà, donc ça mène sur l'exorciste. Ça mène sur le placard du coup. Ça. Mais non, mais c'est ce que je te disais il y a 5 secondes. D'accord, soit... ok, non, mais du coup j'ai mal compris. Voilà, soit en fait t'as le placard en petit carré et t'as la chambre qui fait un. Enfin, t'as deux chambres qui font un U et qui se rejoignent en bas. Ouais. C'est soit ça, quoi. Je suis juste. service d'étage, Rufus, l'exorciste de l'hôtel, curieux, pas superstitieux ou je suis déjà parti. Je suis déjà parti, c'est pour se barrer. Oui, c'est pour se barrer, on va quand même. Allez, vas-y, je m'appelle Rufus. Bon, ouais. I'm Rufus, and does that give you permission to just barge into exact. Other people's rooms? Je suis un héros de point and click, donc j'ai le droit. Settled, mostly because the court building burned down. It's their own fault for putting so much powder in their wigs. I don't care who you are. Putain, il a fait brûler le tribunal, Rufus. Yes. Unless of course you're from room service. Bon, je suis le room service, allez hop. I am room service. Very well. Then please clear away the dishes by the door. Huh? But there aren't any dishes. Ah! Just a sec. There's something here after all. Ow! Shards! Ow! Another shard! And... Uh-huh! This isn't a shard. C'est marrant, ils ont traduit shard par tesson. Ouch! Bah, en vrai, ouais. Un shard, c'est un morceau, tu vois, un tesson. Ouais. Ouais. Tu vois ce qu'il y a dans le trou? Stay by the door where I can see you. Well, I thought I was supposed to go away. Yes, right. Go away. Hey, can't you make up your mind? Hey. Well, I thought I was. Mais putain. Hey, can't you make up your mind? Attends, je vais attaquer avec la tête d'oreiller. He's no longer in need of worldly goods, assuming his story is true. What? Oh my. This is where the sheet hits the fan. Me draguer. Bah oui, draguer. Ouais, ouais, ah. Non, j'ai compris le jeu de mots en français, mais en fait, j'essaie de le comprendre en anglais. Ah. Mais j'ai pas entendu. Ship quelque chose. Pourquoi un fantôme a besoin du service d'étage? Ouais, c'est pas fou. Hey, why does a ghost need room service? To change the sheets. Keep your hands off my sheet. Sure thing. I can imagine how uncomfortable it is when the edge gets tucked so far under the mattress. A friend of mine once got caught in a laminating machine. He cried all night long. Fortunately, I remember to shut the machine off the next morning. But as I said, this is not about the sheet. Just clear away the dishes. And why do you need dishes? For a midnight snack? Oh yeah, logical. Est-ce que je peux allumer la lumière? On puisse faire quelque chose avec lui pour l'instant. On va quand même faire tous les dialogues au cas où. Yeah, charm. I'm very charming. No shame. Good grief, you must know shame. Oh, yeah, shame, of course. Culpabilité. Ah, shame, ça veut plus dire la honte normalement. Shame, yeah, sure. Shame, ouais, c'est la honte. Ouais. Joli drap. Hey, nice sheet. Keep your hands off my sheet. Do you need it much longer? As long as you're here, yes. I don't think you're a ghost. And how, may I ask, did you come to that conclusion? Very simple. Ghosts only appear to those who blame themselves for something. They're sort of like a guilty conscience made material. Guilty conscience? Me? You have some ideas. You better believe me. I blame myself for absolutely... Y'a rien que je puisse me reprocher. Oh, c'est marrant, je pense qu'il y aurait deux ou trois listes à faire. Ah ouais, je pense que là, il y a du monde là pour... Quel est votre secret honteux? What's your guilty secret then? Isn't it obvious? Alors, you're a bedwetter? Rubbish. Quel est ton secret, fantôme? Regardez où je me trouve.
Next to a hole in the wall. And what does that tell you? Il se branle. Oh, I got it. You like to drill holes. Wait a second. You don't. Mais j'ai même personne des trous. I like to listen to people while they sing in the. Non, je vois pas. Que? J'aime écouter les gens chanter sous la douche. Mais putain. Honteux, mais... poil aux yeux. Parlons d'autre chose. Ah, guilty schmelty. Let's talk about something else. Guilty schmelty. Parfait. Bon, bon, on s'en allait justement. I should be so lucky. Excuse me. Be gone. Be gone! Boo! Oh, that's better. Bon, sortons. Bon, on ne peut rien faire pour l'instant. Allons voir. On va aller à droite là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Oh, mais il y a encore plein de trucs! Mais à l'aide! Oh, il y a plein de boutons. Ce bordel. Et ça fait bip, et ça fait flash, et ça fait bip, et ça fait flash! Undeniable knack for vending machines of every sort. Pourquoi il y a des smileys dans la tourte à droite? Ouch. C'est une apple pie, c'est une happy pie. Ah. Y a pas de smiley? Bah si, ah, si d'accord, dans la tourte, ok. Donc pour faire une tourte, il faut de la crotte, des méduses, une main humaine et de l'électricité. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut faire, ton avis? Attends. Tout mettre d'une couleur, mais alors laquelle, je sais pas. Il faut trouver que fait chaque bouton. Chaque bouton fait la ligne, en fait. Ah. Ah oui, d'accord. C'est possible. Il y a forcément un qui fait moins la ligne. Mais merde. Oh putain, si, attends. Fuck. Si près du but. Bah ouais, mais Attends. Je suis sûr c'est possible. Merde, je suis revenu au point de départ. Tout est possible, tout est réalisable. Tout est super génial. Je déteste ma vie. Ah, oh, c'est de la merde. J'ai envie d'essayer, mais ça. Attends. On va y passer 1000 ans. Ah oui, c'est la diagonale. Ouais. Le bouton qui est sur le côté. D'accord. Ok, du coup, c'est possible. Là, ça va me faire ch'tac. Si, si. Ah non, si tu fais la diagonale. Ah non, ça va lui faire du pendu. Oh. Ah non, il fait du sang. C'est un peu chiant. Sauf qu'on fait ça, mais on sait pas pourquoi on le fait. Non, c'est vrai qu'on sait pas. Putain.
Ah merde! Oh, j'aurais tellement voulu être dans l'autre sens. Ah ouais. Ouais, mais attends, si tu le fais. Ok, il faut que je l'inverse. Ouais. On sait même pas pourquoi on veut ça. Merde. Oh! Alors, c'est un beau format là! Putain, radiateur. The red modules are set to heat, but that's such a waste of energy. Let's see if I can turn them off. Ah putain, ouais, faut les éteindre. Attends, donc on est d'accord, il va me falloir. Hop là. Hop là. Hop là. Surtout en plus, il faut qu'il soit bleu. Ah ouais? Bah, il faut que ça soit éteint. Ah putain, mais on est encore à l'inverse. Hein? Mais non, mais que ce soit rouge ou bleu, ça change rien, parce qu'après, t'as juste appuyé sur les trois colonnes pour tout passer en rouge. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Putain, on va y passer 1000 ans. Ok, je propose de pas continuer. Et de voir plus tard quand on saura quelle utilité on aura. Ouais, quand on est sûr, ça sera utile. Enfin, ça sera utile forcément. Mais ouais. On saura à quoi ça nous sert. C'est ça. On a déjà essayé pendant 10 minutes. Qu'est-ce que. Quoi? Bon, il y a un Pokémon là-dedans, parfait. Bah, c'est un béquipant. Mais. C'est que béquipant à la base, c'est un animal. Non, c'est un béquipant. Vers le distributeur de tourte. Bon, bah, remontons vers les chambres. Ah, d'accord, ça nous amène là. Ok, donc on a enfin fait le tour de cet enfer. C'est bon. Ok, il nous en reste tout. Allons en bas à gauche. Oula. Oula là. Okay. Hello, you you friendly hooded people who clearly belong to a non-violent organization. Are you standing in line for the washing machine? C'est pas la machine à voyager dans le temps, ça, par hasard? Putain. Les mecs égoïstes sont en kumbaya, okay. Act weird once for sure, no problem, pal. J'étais bizarrement une fois pour dire non, pas de problème. Mais... Then if I could just home hum kumba no darn. Ok. Donc ça pour toi, Rufus, c'est une machine à laver. Bah. That's pretty huge. C'est sûr qu'il en a déjà vu. C'est fort possible. Pourquoi il y avait pas un bozo derrière? C'est vrai. Habit Bozo. Bah non, il n'y a plus Habit Bozo. Ni le cintre d'ailleurs. Ok, bah écoute, on a volé les vêtements de Bozo, bah rentrons là-dedans. Ok, bah allons voir là-haut. Ça avait l'air d'être, dans mon avis, c'est là où on va retrouver Doc. Doc et Gaul. Ou absolument personne. Ah, on peut aller là-bas où on connaît pas, ou là où on connaît pas. Et le seul objet avec lequel on peut interagir, c'est la sonnette. Et bah, encore une fois. Oh là là. I shouldn't get up so fast. Or get a little exercise. Whoa, don't creep up on me like that. Creep. I rang the bell. Phew. Wow. Un babou. Le plus gros hippie. Oh putain. Noise from the cruiser route, not to mention the cold. The mold, but I digress. Welcome to the hotel Menetekel. Would you like to rent a room? En fait, je cherche mes amis. Menetekel, drôle de nom pour un hôtel. Ouais, c'est vrai que. Menetekel. That's a strange name for a hotel. You think so? It's Menetekel.
I've always thought the name was cute. It means something like impending doom. Ah bah évidemment. I mean, who wants to live with impending doom? Don't we all do that? Right, but if you have a choice. But you don't. Or have you seen another hotel around here? C'est pas faux. Bref, je cherche mes amis. Just looking for my friends. A geriatric garden gnome, a girly giraffe, and a circus bear in a hat. That's them. Yeah, they just checked in. They didn't look like they could afford a lawyer, so I gave them room 5. But don't worry. As long as they don't touch any light switches, electrical sockets, or load-bearing architecture, they should survive. Ah. Provided they stay in their room. Ah ouais, gros hôtel. Which reminds me, do you happen to have unfinished business with demons, dark gods, or the recently dead? Not that I know of. Super! That's all right then. You have no idea how squeamish some insurance companies can be when it comes to supernatural causes of death. What Here's the fuck? Your key. Please have a pleasant stay here at Hotel Menetekel. D'accord. My good man. Ok. Seriez-vous en train d'insinuer que cet endroit est hanté, mon cher? Haunted? Not at all. We're safe here in reception. It's the rooms I'd worry about, especially room 13. Why? What's wrong with room 13? Let's just say it was a mistake to bury the Indians there. Quoi? An apocalyptic cult has occupied the laundry. So if you need ah, les humanitaires des Indiens, tout va bien alors. Make sure you don't carry any religious insignia or virgins with you. Ok, donc note à bene, ne pas aller avec Gaulle dans la buanderie. bon, puis le reste. Yeah, do that. I won't stop you. And before you ask, that does not constitute an act of negligent bodily harm. We've had that checked. Ok. Bon. Ce mec, je ne fais pas confiance une seule putain de seconde. Hop là, volons le sel et le poivre. Voilà. Et voilà. Et voilà. Tire-bouchon. Bah, prenons le tire-bouchon aussi. Percolateur. D'accord. Let's see if there's anything left in here. Ah! Ok, bah parfait. There actually was something left in there. Dust. Oh, putain, j'ai un trou de mémoire. C'est quoi un percolateur déjà? Un percolateur? Ok. Yes. Vas-y, regarde sur notre ami notre ami commun. Commun, qu'est-ce qu'un percolateur? J'ai chopé de la poussière. Ah, c'est pour les ah percolateur. Tu sais les vieilles machines à café où fallait que tu presses. En gros, t'as le filtre en haut, il est en haut et tu presses pour le ramener tout le café en bas. Ouais. Ah, c'est ça un percolateur, c'est cette machine-là. D'accord. Ah oui, c'est un moulin à moudre. Non, pas un moulin, c'est vraiment c'est la vieille cafetière où tu mets ton café dans l'eau et après tu fais descendre le filtre pour tasser tout le café en bas. Ouais. Et boire le café mais sans les grains, sans la poudre, quoi, rien. Oh oui, bah une machine à café classique. Ouais, mais manuel. Oui, c'est pas les trucs expresso, tu mets ta cartouche et c'est bon quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment le café, vieux truc où tu mets ton petit truc, tu mets ton café en poudre, et puis ça goûte pendant 3 heures. Non, faut le laisser infuser. Bon, attends, je vais regarder parce que je comprends pas. maintenant, les percolateurs, c'est des gros trucs que tu vois dans les hôtels. C'est des gros trucs de 15 litres où tu appuies. Ouais, je vois. Mais les vieux percolateurs, c'est les vieilles machines à café. Mais je pense que maintenant ils parlent des percolateurs, les trucs qu'il y a dans les hôtels quoi. Ah oui, mais non. Oui, ok, d'accord, oui, je pense que oui. Bref, volons ce tableau. I don't think much of modern art, but this is good. It's drawn from the perspective of a person who unsuspectingly opens the urn of his dear. Oh merde, Clément sort de ce corps. And then dies of a heart attack because of the spring-loaded flowers popping out at him. What a pity it's hanging so crooked. Aha! Here, we have the perpetrator! Huh, not. But he needs tools when he has hands like vice grips. Quoi? Ah merde, boulon! J'avais lu bouton! Tire bouchon! That would work!
Quoi? Il a dit quoi? That would work not. Putain, attends, c'est beaucoup trop rapide. Qui a besoin? Attends. Non, merde. Bon, laisse tomber. Ok, on va essayer avec le cintre. Mais j'ai... Qu'est-ce qui traîne toujours avec la mère? Putain. Qu'est-ce qui traîne toujours avec la même robe? Ta mère qui pète un boulon. Bah, ok. D'accord, donc par là, il n'y avait que la cafette. Ok. Bah, sortons. Et du coup, bah, on va aller vers les chambres. Et nous, on a la 5. C'est laquelle, la 5? De toute façon, il n'y en a que 5 des chambres, donc... Ouais, c'est vrai. Et hop, du premier coup. Oula. There you are. Et là, c'était pas chez nous. And wow. Ah non. Ah, bah, qu'est-ce que je fais la gueule? Elle est cassée. No. Aurait-on cassé Goule? Pourquoi il est à poil, lui? Parce qu'il baisse son assez vêtement. And what does one do with a Neuro thingy? Can you watch scrambled channels? That too. But most importantly, it will repair Goule's brain. Ah, enfin! Brain? You know, re-merging the assets of cool. Character. Oui, c'est toujours pareil, pareil, c'est vrai. Ah non, elle a toujours fêté. Du coup, voilà, quel goal, Bon, un mix des trois, je pense. Mais pas encore. After this procedure, Goal will be her old self again. And then you can make use of the shower. Shower? Why? For the Ascension customs, or did you think they'd let you into Elysium like that? Ouais, c'est pas faux. And just what is that supposed to mean? I'm just saying, considering everything we know about that Cletus, he is an extremely clean person. So, if you want to pretend to be... Ah, il va falloir que tu te laves, mon petit Rufus. Let me deal with that. You take care of Goal, or do I have to help you with that as well? Not necessary. It's almost ready. Cool. Almost? Qu'est-ce que vous voulez dire par presque? Ouais. Il est où le piège? Il est où le piège? And once again, I have to do all the heavy lifting, right? Not at all. No problem. I can fillet a data thingy with one hand tied behind my back. Aïe aïe aïe. You just have to press here. Non mais non! Rufus, no! That throttles the fuel rods! Ah, they can handle it! Rufus, this calibration is really Ça comprime! Oh putain, il a compris comment... Oh putain, il a compris le bug exploit! Of course, Doc still needs this thing that can't be found in this hotel room. Oh, exactly! That plasma... exchange... Whoop-de-doo. Mammoth fur. Relay. A plasma exchange whoop. Un relais tralala et échange de plasma en four de mammouth. Ouais. For beginners like you, baby. Allez, on le trouve. Voilà, tu paries combien qu'on va le trouver? Non, tu paries combien qu'on va le fabriquer? Oh, terrible. Putain, trouver un relais tralala en échangeur de mammouth de plasma de four, ça rentre même pas dans le truc. J'ai un écran. Je sais pas combien. J'ai un écran. Quoi, 28. Non, c'est quoi? C'est 31 pouces? Non, mais c'est exprès, mec. Je sais pas. Mais c'est infâme. Retournez voir Doc, effectue l'opération. Ça fait 3 jeux qu'on doit la faire, cette opération. Oui. Non, Rufus. I need the one third and I need it. C'est quoi cette espèce-là? I said, and. Alright, alright. Ok. Volons le sac. May I borrow your bag? Sure. Go ahead. So far, you've only taken away my home and my livelihood. Why not also take the bag with the last of my possessions? Hey, cool. I can't kill it. Very considerate. It's stained. Hey, that was irony. I thought as much. Yeah, maybe next time you shouldn't put it next to the toilet when you're taking a pee. Ah ouais, je vais vraiment voler son truc. Est-ce qu'on peut lui rendre ses vêtements? C'est pour être sympa. I got your clothes from des cheveux extrêmement sexy. Ah ouais, bah écoute. You must be freezing.
Not really. There's a draft from the hole. Pourquoi donc? But the putrid air from the heater balances it out. Besoin de craindre pas le froid. The heater goes out. Why don't you just tell me what you're planning? OK, non, c'est pour ça qu'il va falloir éteindre les radiateurs. Some crazy scheme. Yeah, but where's the fun in that? I mean, where's the kick? Where's the challenge? Donc on va vraiment devoir s'occuper des radiateurs juste pour le faire chier. Hello, reception? I'm what? Little joke. This is reception, of course. Always at your service. Unless you're the guy stuck in the elevator. Elevator? I haven't seen an elevator here. Neither have I. That's why I can't help you. Please get off the line. Wait, I'm calling from my room. Well, that's different then. What's your room number? Numéro à la ligne, s'il vous plaît. Numéro. Ah putain, attends. C'est combien la chambre du fantôme? On va lui envoyer. Merde. Il n'y avait pas de numéro sur la porte, mais 1, 2, 3. Attends, on est à la 5. 1, 2, 3. Ouais. Ça serait la 3 du coup. Possible. Enfin, il y a sur la 3 aussi, ouais. Sur la 5, c'est nous. Donc. Ah non, oui, là-bas. La 9, ça me donnerait beaucoup. Tapage sonore, tapage olfactif, tapage régulier. Ah. Des poulets. C'est les pommes contre moi. Ah, c'est bon. Au final, ouais, chambre 1. On va faire chier le mec, enfin le vieux, le voyant. Ah, d'accord. Mais ils sont branlés comment Attends, mais elles sont branlées comment ces chambres? Elles sont branlées comment ces chambres? Chambre 9 The demons from the cursed room. Well, the most cursed. Why can't you just leave me alone? I've done everything. Le démon de la chambre maudite. The friendly author, even the young actress, all dealt with. Du coup, je peux pas y aller de la prise, mais il est plus cool de personne. What the fuck? Did I say room 9? Of course. Bon bah, chambre 5. Room 5. Really? You loser. How can I help you? Nous avons urgemment besoin de serviettes propres. Dites-moi, vous n'auriez pas par hasard un relais tralala et changeur de plasma en faveur de mammouth? Oh bah si, c'est bon, qu'il y en a un plasma exchange whoop-de-doo mammoth fur relay. C'est possible. Hey, I can hear you. Attends un instant, je vérifie. Nevertheless, you still have to pay your bill for internal telephone calls. Je dois pas respirer, combiné. We urgently need fresh towels. Oh, then you're in the wrong hotel. We haven't had anything like that for years. Ah. What am I supposed to take home as a souvenir? On est pas dans le bon hôtel. Non. Putain. Mais le souvenir. J'ai faim. I'd like to eat something. You've got guts. I like that. Have you picked up your menu from reception? Oops. That happens a lot. We think it's because of the electromagnetic radiation from the nuclear waste dump or the Indian burial ground. J'aimerais bien savoir où il est ton cimetière indien par contre, parce que là. Pas sous l'hôtel. Hein? Tout le tramway. Tout le tramway. Ah oui. And whoop-de-doo. All right. Mais ils sont au courant que Rufus y arriverait à trouver ça. Bon, retournons à notre distributeur de tourte là. Et putain, ça l'a laissé dans le truc où je l'avais mis tout à l'heure. Parce que clairement, pour l'instant, le seul truc qu'on puisse faire, c'est ça. Putain. On a un sacré bordel là, ça quand même. Oh putain, bah ça y est. Quoi? Ah non, il m'en manque un. Ah non. Hein? Anna. 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 No. Why me? Why me? C'est de la merde. C'est de la merde.
Mais surtout qu'en plus, la Solus, elle va être fuckée si on regarde. Elle va être complètement fuckée, la... La Solus. Non, je me suis dit de commencer un endroit et on peut arriver à pas tous les endroits facilement. Ah ouais, mais là... À moins qu'on continue pendant 10 ans et demi, là, je t'avoue que... Que ça me gonfle. Attends. Je tente des choses. Et là, je l'ai à l'envers, putain. Attends, je sais. Peut-être. J'essaie des choses. J'essaie des choses. Oh putain. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas encore pas. Ah là, c'est l'inverse, c'est chier. Mais ouais, là, ça marchera pas encore. À moins que. À moins que. Et merde. Oh, ça va être chiant. Oh là là. Oh, je pense qu'on va demander l'appel à un ami là. Non, parce que bon, c'est pas que c'est chiant, hein, mais un peu quand même. Donc, demande à notre ami, hein, voir s'il est un peu au courant des bails de la société. Comment se porte l'enfer de Dante? Putain. Ok. Bouton du milieu. Ah, j'en reviens toujours à là, ça me rend fou. Il sait pas notre ami. Comment ça, il sait pas? J'ai quand même pas pied au hasard. En fait, c'est. Il me dit que c'est jamais utilisé. T'as envie de me dire que je me fais chier pour rien. Mais je sais pas, mais. What a bummer! The vending machine! J'ai peut-être les pièces, mais j'ai pas de pièces. Chiant. C'est terriblement chiant. Oh, ça me gonfle. On va faire autre chose. À la poubelle. Est-ce que je peux pas essayer de tuer le pélican? Non. Qu'est-ce que je pourrais faire pour tuer le... Tiens, mange du poivre. D'accord. On mange du sel. Let's see if it appreciates me. Spicing. Ah, ça marche. Oula. Yes, on l'a fait fuir. Don't mention it. Too late. The pelican has eaten it. It's my own fault. Curse my culinary talent. D'accord. Et du coup, le pélican, il est à droite maintenant. Faut que je récupère les poissons. Je fous de ma gueule dans le dentifrice. Ok, donc visiblement il faut que je récupère le poisson, mais je sais pas comment.
Ok, est-ce que tu te rappelles de quoi, à quoi ressemble la situation initiale? Absolument pas. Ok, on va dire que selon notre ami là, apparemment, ça serait tout rouge sauf le centre qui est bleu. Tout rouge sauf le centre qui est bleu, bah c'est bon, je l'ai. Ouais. Parfait, donc là tu fais le bouton de la diagonale. Ouais. Le levier. Le levier? Ouais. Oh putain, mais le levier ça switch! Oh! Une fois que t'as fait le levier, c'est le bouton du côté. En vrai, si j'avais su pour le levier avant, on aurait réussi. Mais tu l'as jamais utilisé le levier? Si, mais en fait, à chaque fois, je levais sur des trucs qui étaient déjà symétriques, donc je voyais pas la différence. Mmh. Ouais, après le bouton de droite. J'ai dit le bouton sur le côté, donc je pense que c'est le bouton qui est sur le mur. Ah merde. Attends, bah je répète. Recule sur le. Ouais. Ensuite, c'est le bouton du milieu. Ouais, le bouton droite, putain. Ah, en fait. Le seul truc qui me manquait, en fait, c'était de savoir que le levier. Il inversait. Ouais, inversait. Parce qu'en fait, je me demandais à quoi il sert. Au début, je pensais qu'il servait à valider le truc, tu vois. Mais j'avais pas fait parce qu'à chaque fois que je l'activais, c'était en truc pair. Ah oui, du coup, ouais, ça marche pas. Ah, mais il est en train de mourir là. Ouais. For a real pirate. You, a pirate? Who convinced you of that rubbish? Oh, it was you. Oh, right. Il reconnaît enfin que c'est une. That you're trying to emulate me, but face the facts. You'll never be a go-getter like me. Come on, crawl soft and cuddly placenta fur coat. And menton fourre de placenta. Now I'm definitely gonna sit here in the cold. I don't even care if I catch the whooping pox. La varicelluche. Here, I got. I think you. Oh, I don't. Putain, mais attends, mais. Attends, je vais le faire crever de chaud. The heating is off, and that's not that I couldn't switch it back on any time. I'm thinking here. Ah, j'ai pensé à l'environnement, mais quel enculé. Bon, bah, Bozo, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On voit le pélican qui bouffe la flotte là-bas. Buanderie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Jeter de la poussière dans la machine? Ok. Une idée sur ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donner un poivrier au mec dans les chiottes? You can't even wipe your butt with this junk. Ah, il faut que je donne un truc pour se torcher. Le poivrier, c'est une bonne idée. Great idea, but should I really wish such a dear? Oh merde! Gag. Ah, je vais filer les vêtements de Bozo pour qu'il. Here, this should work. Ah, ça marche! Ah non! How am I supposed to force that? Man, you must be from the Jurassic age. Jurassic. Ass, your ass, Jurassic, Jurassic. It's. Alors là, la traduction française, elle est pas ouf, mais parce que le jeu de mots, il est en anglais. En fait, il dit Jurassic. Ah, okay. Juste pour faire le jeu de mots de merde, hein, c'est le caca de le dire. Here, this should... Possibly. Attends, je te le cul avec un oreiller. Only if you promise to take it to the laundry for me afterwards. I think I'll find something better. Aw, that'll take it, which does not... Ok, donc rien de ce que... Ah, tu veux te torcher le cul avec un tire-bouchon? Dommage. Avec un sac? Shit, non? Great idea. But should I really have here? Man, Jurassic. Ouais, on a compris, Jurassic. Bref, Oh merde! Oh, that's the last thing I need.
And the suit ah, tu vas voir. Cleaned on a cold wash. Do I make myself clear? Ah. As clear as clear. My assistant will pick it up tomorrow morning. Meanwhile, fill out the registration, Oppenbot, and take good care of the bag with the money. Apparently, only rabble work in this so-called hotel. Somebody works here? Excuse me, Inspector, but isn't that the bag with my plasma exchange whoopie-doo mammoth fur relay? Don't be silly, Oppenbot. The bags are identical. Yours is already in our room. And that's where mais t'as vu ce qui. Ok, il a la chambre numéro 1, Cletus. Ok, donc maintenant faut remettre le truc de téléphone, mais pas la chambre numéro 1. Ouais. Close shave. I hate that stuck-up idiot. Better stay alert. He must be looking for gold. But at least I know where I can get that plasma exchange whoop-de-doo mammoth fur relay. Ok, sac, et on va switch les deux sacs. Yes! Ok, donc on a le switch machin chute contre Crotbic. Parfait. Est-ce que je peux remplir? I don't need any coffee for the current phase of my plan. And conveniently, that's what we have here. Time for the next phase. I don't need any... Ah putain, arrête! Ok! Donc je peux rien faire ici. On va sortir. On va aller amener le truc de phase à Doc. Et Doc, qu'est-ce que j'ai ramené? Doc, you'll never guess what I not. Yeah. I'm very busy at the moment. Ah oh, man, you're always busy. OK, il veut pas. Bon tant pis. Interphone. Hello, reception. Always at your service. What's your room number? Numéro 1. Room 1. Oh, the inspector again. Et numéro 1. Those aren't spots, just a pattern. Oh, putain. If so, then... Yeah. Oh. This isn't about the bedding. Oh, c'est pour la bouche ouverte. How can I help you? Je voudrais quand même elle amène quelque chose de scandaleusement onéreux dans ma chambre. En plus, c'est trop bien parce qu'il prend l'accent pour Cletus. Ah. Facturer horriblement. Erreur comptable sur la note. Est-ce que mon linge sale est déjà lavé? How should I know? I thought it was part of the service. Ah, the service. Yes, I've heard a lot about that, but nothing that has convinced me that it actually exists. You laundry yourself instead of relying on some mystic new age pipe dream. Can I do it? On va pouvoir lui chourer ses fringues du coup. Ah oui, trop bien. I would like to. Il va pouvoir se faire passer. C'est pour lui pour de vrai. Ouais. Have you selected something from you have kept your menu, haven't you? Oh, the menu. Yes, you got it here at reception. You are Inspector Cletus, aren't you? Of course I'm Inspector Cletus. Who else? Slimy hair, slimy character, has no appetite anymore, would rather talk about something else. Cletus, yes, in the flesh. Yes. Je voudrais parler à mon assistant. I would like to speak to my assistant. Yeah, of course. I'll send him down to your room if that's all right. Oh, why don't you? And... tell him to sing the dumb bum. I'll pass that along. Thank you. At last. La chanson du code de Nigo. I just have to make sure I don't run into that Oppenbot. Faut juste que je croise pas l'Oppenbot. Allez. Here comes the dumb. Putain. Who are you? J'ai croisé l'Oppenbot. Oh, 30% off on paperclips. What? Where? Oh, sans force d'orion sur les trombones. Et putain, quelle diversion. Ah bah ça c'est de la diversion divine ça. Hein. Ah bah ça, on en fait plus les comme ça. Ah tu m'étonnes. Yeah. Bon, y'a du passé du coup. Perfect. The coast is clear. Well, except for oil leaks, mold spores, and general carbon monoxide pollution. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok, alors allons directement dans la buanderie.
Mais y a pas les habits de Cletus. Ah putain, si, ils sont dedans. Those are Cletus, but for all I care, they can rock. Bah, c'est vraiment une machine à laver en fait. Ouais, du coup, c'est vraiment une machine à laver. Mais une machine à laver le temps, je pense. J'en sais comment les lapins crétins. Ouais. Ok. Je pense qu'il va falloir qu'on rejoigne le groupe. Parce que tu sais, c'est le groupe de l'autre là, de l'autre abruti. Mm. Et pourquoi il est là, l'open bot? Attends, mais je crois qu'on a chié le truc. Attends. Tac. Tac. On va appeler l'interphone. Bonjour, c'est la chambre numéro 1. Je veux parler à mon assistant. Donc voilà, là il a reçu le message. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me cache dans le placard. Ça n'a pas du tout marché. Ah. Ah si, c'est bon. Enfin, je me suis planqué, je suis planqué en bas en fait, tout simplement. Yes. What is it? Oh putain, il est dans la chambre juste à côté de la nôtre. No, I did not. But you did. You just called to reception. I would certainly know what I have or have not done. I'm starting to think you're suffering from acute processor overload. J'étais d'accord, donc la 1 est à côté de la 5, il y a aucun problème. If you answer what my voice sounds like, then listen and listen well. Never bother me again without a good reason. Understood? Yes, of course. But. But what? Premier robot. Direction la réception. Ouais, on va récupérer le deuxième sac du coup. If I just take it, what's ah ouais, c'est pas con. Is a plan full of arrows and catapults, or at least a couple of cool 3D. Ok, qu'est-ce que je peux faire du coup? Demander un truc au réceptionniste? Ah, the guest from number 5. Don't worry, the headaches go away after a few days. No, I'm here about the menu. Ah, je suis là pour le menu. And that's funny. Most guests are gone because of the menu, you know. And our old cook is even in prison because of the menu. Can I have the menu or not? Lickety shit. You just have to sign this waiver form first. Ah, that's a snot rag. Yeah, well, there are just too many possibilities for being hurt by our meals. A form would be way too much work. And our lawyer suffers from depression. Putain. We'll get the guest signature onto the appropriate waiver later. Very economical thinking. C'est beaucoup trop dans la dépense. W in front. Excuse me? Woofus? Yeah, the drawer for R is stuck. Oh. Thanks. Tu vois de R et quoi. Rufus? Ah putain, il revient. Well, folks, I've gotta go. J'espère que j'ai le menu. Finally. On a pas récupéré la sauvage? Non, non, faut pas la récupérer parce que sinon il va donner l'alerte à l'autre. Ah. Ah, mais j'ai toujours pas le menu, hein. Oh. J'ai toujours pas le putain de menu. Alors attends, je reviens, je vais pas faire un petit tour aux toilettes et j'arrive. Allez. Ok. Allez. Allez m'écouter, on va faire de la SMR. Modifier la voix, on va prendre des voix. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus marrant. Alors, on se calme. Ouais. Non. Je suis Samuel, le ventilateur. Alors. Essayons. Allô, pas ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ouais, bof. Robocop. Ouais, bof.
In a way. Ho ho ho. Why in a way? Alors. Oui. Hop là, heureux. Oui. Il faudrait que je mette un petit écran en mode le live est en pause, revenez plus tard. Oui, c'est vrai. Patienter. Et par défaut sur Streamlabs. Ouais. Je peux, mais faut que je le configure. En fait, faut que je mette une image, quoi. J'ai pas d'écran. Déjà, il faudrait que je me trouve un logo de chaîne plus personnel que le dragon blanc que j'ai pompé sur internet. Le problème, c'est que je sais pas dessiner. Ah, si, y a bien une pote qui pourrait me le faire. J'ai 2-3 idées. Tu vas demander gratuitement à un artiste de te faire un dessin ? Non ! Je vais demander gentiment à une amie de me dessiner juste un petit logo en échange des 2 ans et demi de JDR. Non, en échange des 2 ans et demi de JDR que j'ai fait. Je pense que. Là, on respecte pas l'échange équivalent, mais je pense que bon. I'd rather keep my stuff in my own cup. There's a lot more. Bon. On fait quoi? Parce qu'on n'a pas le menu. Attends. On va retourner dans la chambre. On va essayer de voir si on a le menu ou pas. Hello. Room. How can I help? I would like. Have you selected? I like. Putain, si on a bien le truc. Le H de verre. C'est votre vie après tout. Quoi? Attends, un bruit de cafard, le H pour chasser ses bestioles. Room 1, Cletus. Que puis-je penser, dernière volonté? Il dit que tu sais, il appelle sa poubelle. Ah, c'est Oh, bordel. Quel mauvais être humain. Ah. Ah, il y a beaucoup de trucs. Tout ce qui est orange, c'est ce qu'on a déjà fait, en soi. Pas exactement. Ah non, c'est les pistes facultatives. Ah oui, c'est les petites croix vertes qu'on a fait. S'arranger pour qu'il soit l'heure du repas. Obtenez une clé à 1/3. Mais putain, la clé 1/3, elle est juste sous mon nez. No, Rufus. I need... Mais j'en ai besoin 5 secondes. I need it to randomly combine. I said... All right. J'en ai besoin 5 secondes. Tiens, j'ai un couteau. Les mains en l'air. Putain, j'ai besoin de la clé pour changer l'heure. Comment je peux récupérer la clé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allô? Oui, je suis là. Ah. On m'entend plus? Ah, je t'entendais plus pendant quelques secondes, ouais. Hein? Non, je suis toujours là. On a commandé le repas. Il n'y a pas moyen de passer le temps pour arriver direct au repas. Bah, justement, c'est ce que je disais. Ouais. On a besoin de la clé. Ah, oui, pour tourner le truc de l'horloge. Ouais. Donc, attends. Je vais juste me chercher un truc à boire. Oh, bien.
Alors, j'ai bouffé un Kinder, du coup j'ai les dents qui collent. J'ai besoin de boire un truc. Oh. Oui, ma vie est intéressante, je vous emmerde. Mais non, elle est pas passionnante. Parce que là, je sais pas. Attends, on va retourner voir le devin. Je peux faire partie de ton culte? Could I bother you again? Yes, you seem to have a penchant for that. Penchant! T'as, il l'a dit en français. Alors, vos potes bloquent la buanderie. Your pals are clogging up the laundry. Il faut qu'il y ait un peignoir. Ouais, ouais. Yeah, what are they waiting for then? I need to use the washing machine. Well, they are waiting for their... Leur gourou. Uh-huh. For me. Then what are you doing here? I am preparing for my... On va le porter sur notre épaule. On va le ramener. Ouais, pas fort, pas si... Bon, on va lui péter la gueule, on va lui voler. Ah putain. Y'a pas un item que je pourrais utiliser sur lui? Tire-bouchon. I see that you are dead. Give yourself your fate. That may be, but nobody can read the writing. Je pense que les vêtements de Bozo doivent être utiles. Ouais, c'est possible. S'il veut pas les récupérer, ouais. I see that you are give your that, but no, that could mean... Hey! Ok, on peut pas te défoncer son Mr. Toffee, là. Tiens, j'ai un couteau. Vas-y, file-moi ton truc. Oh, attends. Absurd humor is okay in itself, but I can't waste this unique opportunity on another cheap pun. I'm thinking of the fans who love my pranks for their cryptic ambiguity. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette? Ah, mais il va falloir que je mette un poisson. Yeah. But I can't waste this. I'm thinking of the fans. Attends, on va regarder un petit peu le la liste des quêtes. Éloigner Homebot de la réception, obtenir le menu de la réception, réserver une table pour Clétus, donc ça on avait déjà fait tout ça. Ok. S'arranger pour qu'il soit l'heure du repas, donc ça c'est notre prochain objectif. Et pour ça, il nous est-ce qu'on peut également faire... S'arranger pour que le devin prenne une douche, voler la robe. Oh putain, ouais. Mais alors du coup, c'est-à-dire qu'il nous faut les poissons. Il nous faut le poisson. Le poisson que le pélican a dans la bouche. Pour lui mettre dans la capuche, machin chouette. Le problème, c'est qu'il voulait pas... Il voulait pas le choper, en fait. Il me disait, ouais, il faut quelque chose pour mettre les poissons dedans. Alors, j'ai bien essayé avec le sac. Ça marche pas des masses. Je suis pas sûr qu'avec les vêtements ça fonctionne non plus. Avec les vêtements de Bozo, je doute aussi. Avec le centre. Ah bah oh, faut, bah oui. Bah oui. Ouais. Bah. Ah, c'est aussi de plus fermer la bouche. Ah bah on a le poisson. Voilà. Bon bah. On va voir. Oh, voilà, on a le poisson, moi. Alors, notre cher devin. Il est pas frais, mon poisson. Le meilleur, enfin, si, il est pas frais. Il a vraiment une sale gueule, le poisson. Ouais. Oui. Quoi? Il a dit quoi? Mais l'un des deux se desquam. Alors, desquam. Définition. En dermatologie, la desquamation désigne la perte des couches superficielles de l'épiderme. Le stratum d'accord, corneum sous forme d'amas cornéocytaire, visiblement appelé squasme. Ouais, c'est ouais, ouais, ça veut dire perdre ses cheveux. Ah, ok. Ah, j'aurais dit plus de perdre sa peau. Non, ouais, non, mais, attends, ouais, non, c'est la perte de la peau sur le crâne, quoi. Ouais, ça entraîne la perte des. Oui, c'est la peau qui pèle. Putain, mais il y avait quand même beaucoup plus simple à expliquer que « Oh oui, le squatam de mon cul !» C'est juste que du coup, en un mot, il a récapitulé trois phrases. Hein ? En un mot, il a récapitulé trois phrases. Alors, oui, c'est vrai. Ça. This situation is screwed, not corking difference. Mais j'en fais quoi de ce poisson de merde ? Il le met pas dans la... Ah, oui. Mais ça marche pas. Oula, c'était quoi ce... Si on le dépèce avec le couteau, non ?
Let's see if I can make something. Mais ça marche, mais non. C'est drôle, pourquoi à chaque fois qu'on ouvre la bouteille, je sais pas, parce qu'il en fait, plus ça avance, plus il est en mauvais état le truc. Ouais. Écaille. Je l'ai écaillé. Et du coup, le poisson il est passé où? Je sais pas. Monsieur le couteau et le poisson. Ok, donc on a mis les. On lui a mis les trucs dans. Ok. Je dois rajouter quelque chose, c'est déjà parfait. Je peux lui parler. Could I bother you again? Yes, you'll see. Il lui rajoute de la poussière. Oh, come on. Get no peace. Oh, spit. I'm out of here. I have. What are you. I am the world. I. What are you doing? I am the world. Does. I think you look just fine. Oh, you think so? Oh, attends. Maybe you're right. I. Oh, yeah. What is that? Yes. I have dandruff. Ça marche. I swapped all the hotel shampoo for cigarettes on the floor. Ridicule. Just stand there. Do something. Comment ça, do something? Tiens, le dentifrice. As long as he doesn't miss it. As long as he doesn't miss it. Tant qu'il lui manque pas, c'est pas du vol. Putain. Don't just stand there. C'est terrible. Mais faites quelque chose, tu veux que je fasse quoi, Pedro, là? Hey. Faites quelque chose, mais va prendre ta douche. Alors, si je sors, que je vais dans la chambre obscure. Hey, mais non, mais je... Ok, il va me casser les couilles. Oh my. And I'm yes and Yeah, I don't why else would Gold take me with her to Elysium? In the short time we've known each other, I've already thrown her from a moving organ. Oui, c'est pas faux ça par contre. Poured espresso made from battery acid down her throat, split her mind into three, and this morning, I accidentally grabbed the baby turtle she tried to nurse back to health. With quick drying. C'est vrai que c'est bizarre. Have you ever thought that maybe it isn't a matter of whether. Mais elle m'a pardonné pour tout. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ma conscience est propre. That would be totally egotistical. I don't think so. Oh, c'est complètement égocentrique. Okay, fine. I forgive myself. Bah, d'accord, je me pardonne. What? And now? Well, you're still here. If you were really a manifestation of my guilty conscience, wouldn't you have dissolved now or something? Maybe I have to forgive myself. Of course, just like in My Friend the Phantom Astronaut. Je connais pas ce film. Come on, how to just forgive yourself. It's not that easy. I am really very ashamed of myself. Well, how are you going to find redemption then? Well, I thought I'd just stand here in the dark and fight against it. Oh man, what a crybaby. On va refaire cet état d'âme. Allez! Come on, hop to it. It's not that. I am really very ashamed of myself. Well, how are you going to find redemption then? Well, I thought I'd just stand here in the dark. Ah si, putain. Mon pote le fantôme, c'est une série télévisée. Ah ouais? Dude Death My Ghost, c'est une série télévisée d'animation franco-britannique en 52 épisodes. Ok. Il y a 11 minutes créées par Jan Van Rieselgeborg. D'accord. C'est diffusé sur Disney XD en 2013. Putain. Comment t'as dit que ça s'appelait? Mon pote le. Mon pote le fantôme. Et en anglais, c'est Dude That's My Ghost. Ça ressemble à quoi? Attends, je veux voir à quoi ça ressemble. Je sais pas du tout, je suis sur Wikipédia. Dude. My, t'as dit quoi? My ghost, my pal fantôme? T'as dit quoi? Dude, that's my ghost. On va voir. Putain, on dirait. Ah, ouais! Niveau dessin, c'est quali en vrai. Je déteste ce genre de. Ah ouais? Bah, c'est très cartoon. Ouais, j'aime pas du tout. Le seul truc dans le même style que j'aime bien, c'est.
Ah mais si, je connais. Ah ouais. Ça ouais, va, ouais, je crois que j'ai déjà regardé une fois. Mais en fait, c'est dans le même style que dans le même genre, il y a bah, Kim Possible. Que j'aimais bien, c'est l'un des rares que j'aimais bien. Ça, je crois que j'avais pas adhéré, ça m'avait gonflé. Enfin, si je m'en souviens pas plus que ça, c'est que ça avait gonflé. Ouais, jamais vu, moi. En tout cas, j'en ai pas regardé. Bah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Au niveau des dessins et de la gueule du mec et du fantôme, ça me dit quelque chose. Ça me fait penser aussi à Mes parents sont magiques. Ah oui. Bon, et Mes parents sont magiques, mais je suis surtout Keblo en fait. Je vais fouetter Dorian dans la gueule. Infesting him with lice would be funny, but l'infester avec des poux. He's missing an important prerequisite. Une idée là de ce que je pourrais faire parce que. Parce que là, il me dit faites quelque chose. J'ai des pellicules, faites quelque chose, bah prendre la poussière. On va tester tous les items sans lui. Si tu lui parles directement là, il. Bah si je lui parle, il me dit j'ai les pellicules, reste pas planté là, fais quelque chose. Putain. Ouais, tu veux un poivrier? Je peux lui donner les vêtements de Bozo. Ah ouais. Non. On va les refourguer les vêtements de Bozo à tout. Bon, visiblement, tous mes items ne marchent pas. Ouais, tous mes items ne marchent pas. C'est la chambre numéro combien? Attends. Si par logique élémentaire, ça c'est la 1. Ça c'est la 5. La sienne, ça serait la 2. Genre, si on est logique pendant 4 secondes, y'a pas moyen que je demande quelque chose au téléphone. On peut parler que à la 1 et 5. Ah merde. Oups. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'avoue que je me sens un peu kiblo là. Parce que clairement, on sait ce qu'il faut faire, mais on sait pas comment le faire. This pillowcase is full of lice. First, to get a daycare center under quarantine, and second, to cover a pillow. OK. One thing caused that makes 50% of the symptoms of whooping. D'accord. One causes that makes. J'essaie de faire des combos chelous. That makes 50. This plan could, but I was thinking along somewhat different. Oregano. De l'origan. Il s'y raconte. T'es bourré, Rufus. Eh, j'ai une idée. Une idée qui a été donnée par notre ami ou. Une idée qu'elle est bonne. Tu échangeais le sac que tu as avec le sac qui est sur la réception. J'ai déjà fait. Bah, donc normalement, il y a un truc dedans. Ah bon? Bah, comment je l'ouvre? Je sais pas. Est-ce que j'ai déjà fait? Ah putain, il fallait que je le regarde! Non, c'est ma faute, je suis con. Rare porcelain. Antique crystal. Shards, shards, and more shards. What's he gonna do with all these shards? Alors, cristal. Money! Oh, j'ai de l'argent! Bah ouais, ça m'avance à quoi? Alors, Ah, oui. Alors. Je vais essayer. Quand tu es très riche, qu'est-ce que tu peux faire avec. Ah, tu torches le cul! J'en veux même pas que ce soit la première chose à laquelle j'ai pensé, quoi. Tu torches le cul des billets de 500, bien évidemment. Évidemment! C'est tout doux! Il m'a filé quoi? What's this? Your change. I didn't use it all. And now. Oh non! Votre monnaie! Hey, Hope! Oh, great! He's gone. If I didn't constantly imagine things like that, I would probably be really worried now. Du coup, on va peut-être pouvoir utiliser peut-être. Ah, il m'a donné une pièce! Donc, on va pouvoir utiliser l'autre truc. Ah oui, pour la machine à toi. Oh, y'a plein de trucs là.
PQ. That really is a bit rough. Wow, that does the pharmacy magazine of the blind drugstore owner, and that was in Braille. Ok, donc on a récupéré du papier toilette qui est aussi dur que la pierre. C'est hyper avancé. Ah oui, c'est dur là, littéralement. Ouais, alors la canalisation ne fonctionne pas derrière une fuite. What am I supposed to do? A fishing expedition? In there? Ugh, he didn't even flush. Hey, tu es des toilettes. Ah. What am I supposed? He didn't even. Ok. Bon. Retournons à la réception. Attends, je vais réessayer un truc. On va re-switch les sacs. Et je veux juste ouvrir l'autre en fait. Let's see what Bob... Tout simplement en fait, j'ai complètement oublié de le faire tout à l'heure. Ah. No, no, wait, that's even more underwear. Quel enculé. Hey, what's this? Shampoo. Do I... Ah, j'en étais sûr qu'il y avait quelque chose. Shampoing. Yes, du coup on va pouvoir rééchanger les sacs. Voilà, histoire d'avoir le bon sac. Attends. Tac. Et maintenant on va pouvoir aller voir le shampoing du Ouais. Par contre, il était où le truc avec la pièce? C'était en bas. Des poubelles. Ouais, c'était en bas, c'était en bas. Pièce de monnaie. Donne-moi une tourte. Ah, blague. Non, la pièce trop grosse. Bon, allons voir le devin. Tiens, connard, ton shampoing. Shampoo, my salvation. Out with you. I have to shower. Yes. Allons voir le fantôme. The ghost is doing his haunting thing. I won't bother him now. Yes, alors inutile de l'embêter maintenant. Allons dehors. Il y a encore une peluche de platypus, hein. Le jeu a un problème avec les ornithorynques. Et du coup, le trou qui est là, là, on va pouvoir le combler avec du PQ. I'd have to repair the whole material first. And hey, I don't think so. Eh ben non. je sais pas, avec la tenue de Bozo. Ok. Avec l'oreiller. Avec l'oreiller. Ok, il est en mode j'ai autre chose à faire, donc on va aller faire autre chose. The arrival of the destroyer is nigh. Ooga 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 shali. The arrival of the destroyer is nigh. So nigh. Ooga 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 shalali. Ooga 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 shalala. Putain, à l'aide. Ok, j'ai volé la tarentule. Ok, comment j'atteins... Non, mais évidemment que tu pourras pas l'atteindre. Quoi? Il va vouloir que le room service l'emmène à la buanderie? Mister Toffee dans un bocal? Attends, faut que je fasse quoi là? He left his rope. He probably wants rope. Bon, attends. On va sortir de là. On va sortir. On va y retourner. Genre en mode room service. Ah, merde, attends. On va voir si on peut pas appeler son truc pour lui dire genre c'est le room service, on va prendre votre truc ou je sais pas quoi. Hello? Non, ça marche pas. Donc il faut qu'on trouve un moyen de choper sa truc d'ici. Qu'est-ce qu'on pourrait combiner? PQ avec la pièce. Merde, ça marche vraiment. Now that's what I call the inflationary use of bathroom humor. Quoi? Pièce de monnaie poncée? Bah écoute, j'ai poncé la pièce de monnaie avec du PQ. Bah yes. En vrai ça fait sens hein, le PQ est hyper solide. Ouais bah encore une des phrases que j'aurais jamais pensé dire. Bon bah j'ai une tourte. Yeah, finally. All this money changing has made me really hungry.
I think I'll let Bozo go first. D'accord. D'accord, j'ai une tourte. Ça nous avance pas en mode bordel en fait. Bah, c'est vrai que. Bon, bah, il parlait de Bozo. Bozo, tu veux une tourte ? What have you got there? Something to eat. What else? A pie? That's really nice of you. I'm sick with hunger. You know, blue tongue, cough, sniffles, fever, looks like whooping pox. You should have put on your clothes, like I told you. Shoulda, woulda, coulda. With some pie in my stomach, things will look completely different. Well, can I have the pie? Oui, tiens, prends ta tourte. Yeah, I don't think it's quite ready yet. Mais quoi? Mais non, mais... Comment ça, elle est pas prête? Oh, faut la manger avec des trucs qu'on a sur nous. On a rien de mangeable sur nous. Alors, il faut... Du caca, de l'électricité, des méduses et... et une main, c'est ça. My imagination knows no bounds when filling up. Once again, it is only the limitations of... And here we have a very... Je viens de mettre de la poussière dessus. Tu mets du dentifrice dedans. Ah ouais, ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, t'en fais pas. Est-ce que ça marche? La réponse est oui. Le glaçage. Ah putain. Est-ce qu'on pourrait mettre de plus dedans? Ah, le poivre, non? Ah, c'est on possible, ouais. Allez, on va poivrer. Allez, ça marche. On va mettre un vrai truc. On n'a jamais essayé de poivre. Qu'est-ce qu'on a pas mis encore? Ah non, c'est bon, on a le quatrième ingrédient. Ah ouais? Oh non. Tout a atterri sur la table. Oh, pretty darn aggressive. Good thing he's locked up in this jar. The holes were in there before. Elle est prête ou pas, à ton avis? Je sais pas, on a qu'à revoir. I'm correctly interpreting this pictogram of a hunt. Oh, allez, vas-y. Oh putain. Oh, on est vraiment d'un être immonde. Tiens, Bozo. What have you got there? Something to eat? A pie? I'm sick, you know. Je veux pas que tu manges ça. You should have put on your... On va le tuer. Tu es là. C'est vraiment juste ta part, je meurs de faim. Well, yeah, I don't think it's quite... Ah non, il manque encore un truc. Ah. Qu'est-ce qui pourrait like manquer that, genuine. Hmm. This situation different. Manquer de la merde. C'est vrai qu'on a pas mis de caca dedans. Non. Est-ce qu'on peut récupérer la merde du gars de la toilette? Oh, c'est pas con. Il a pas tiré la chasse en plus. Bah ouais. On va sortir dans quelques secondes. Ok, ok, I get it. I just carry around a bunch of filth. Ha ha, can't remember when I laughed so hard. Ok, je vois. Oh non. Ah non, ça marche pas. Dommage. Ah ouf. Oh, mettre de la crotte dans le bocal. Ok, I can't remember. Il y a la règle dedans. On s'en fout de la règle. Non, I can't remember. Il s'en fout de la règle dedans. Ok, I can't remember. Ah putain, Mister Toshi, putain. Qu'est-ce qu'on va foutre? Attends, on va sortir l'araignée de son bocal. Hey, I could really use a cork like this. Ah, ça marche. D'accord. And you be a good boy and stay in there, Mr. Toffee. Okay, Mr. Toffee. Where'd he go? Ok, on a perdu Mr. Toffee. Succès déverrouillé, sauver Mr. Toffee. Bon bah, on a un. Oh bah tiens, comme ça on peut mettre la merde dans le bocal. Okay. Ah, peut, avec le bouchon, on peut boucher le. Ouais, ok, ça peut marcher. Ah attends, ouais, on peut aller boucher le truc, mais attends, avant. Dehors. Je vais récolter de l'eau avec le bocal. Non, il veut pas. Bon bah vas-y, fous le bouchon. Alors, on a mis le bouchon. Maintenant, retournons aux chiottes. Tirons la chasse. Mais ça va atterrir dans le pélican. Ah mais non. Ça non, ok. On a cramé le mec. Tu sais le truc là avec
Oh merde. Là. Oh bah. Oh là là. Oh, il y a les cheveux maintenant. Je crois que c'est des cheveux en fait. Oh là, il y a sa pipe qui a popé par contre. What are you doing again? I am preparing the world. Ah ouais. Ah non, on la voit pas quand elle est en position haute. Il est super chaud maintenant. Je vais mettre les sourcils. La peinte tout. Qu'est-ce que je fais? Je sais que les cheveux ils sont poussés comme ça d'un coup sur le. Bah je sais pas, mais les cheveux et la moustache aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Bah je sais pas, parce que du coup on est baisé, on peut plus récupérer le peignoir là. Bah si, si, forcément. Bah il l'a sur lui maintenant, donc Ouais, mais là il doit s'épiler les sourcils, donc il va l'enlever. Enfin. S'épiler les sourcils... Putain, mais on fait quoi? Attends, on va voir le fantôme peut-être? Oh! Ah, c'était un vrai fantôme du coup? Hum. There was a really funny joke here in the original German version. Unfortunately, it got lost in translation. Yes. On a récupéré ça. C'est quoi ce petit regard à la Rufus? Oh. Coucou. Bien, bien. Oh merde. Unfortunately, it got lost in translation. There's also a care label with six symbols. That's funny. I'm not familiar with any of them. Ah putain, si, attends. Avec ça, on va pouvoir aller. Plus besoin du peignoir. On va pouvoir l'utiliser pour les mecs. Ah ouais. Mais putain, attends. Je peux pas le mettre? Mais espèce de con! Mais mets-le sur ta putain de tête! Ouais, si on peut. Hein. Mais ça serait logique. Genre, on le met sur la tête, comme ça on arrive en mode, les mecs, salut, ça va? Ouais. Je suis votre copain. Everybody points at you again, and they fire. Attends, quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Open flames in a lawn that could burn down half the village. And then everybody points at you again, and they take away your flamethrower and fire the friendly preschool teacher for failing to provide proper supervision. Ah putain! Super ton enfance, Rufus, hein, genre vraiment. Parfait, y a aucun problème. What am I saying? Fishing? You know. Oh. That is a toilet freshener. Une pastille désinfectante. Mais qu'est-ce que quoi? Je viens de récupérer ça dans les chiottes. Oh. Bah. Et voilà, on va rajouter la tourte. Ouais, voilà, pour la manger à la tourte, puis de la désinfecter. Ça manque de colorant artificiel. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, un plat doit aussi se faire saliver les yeux. Tiens, bozo! Mon bon ami! Attends. Mon bon bro! Attends, on va taper la petite sauvegarde juste avant. Au cas où il explose. Au cas où il meurt. Tiens, mon cher. Et va pas dire je te l'avais pas dit. Hein. Oh, ça marche! Est-ce qu'elle a de quoi manger? C'est vraiment gentil. Cette tambouille d'hôtel n'est pas très savoureuse. Pourtant, on y a mis tout notre amour. Il y a eu que je me sens souviens très bien. On va le tuer, quoi. Oula. Oh, il a la langue bleue. Yeah, like Doc on barbecue Thursday when there's no more beer. Ça, c'est immédiat, hein. Oh, tu m'étonnes, c'est la varicelle. Right. I need to get dressed as quickly as possible. C'est la varicelle. Could you maybe find... Et je froid en plus. Tiens, voilà tes habits.
Tiens, prends ce drap ajusté de fantôme. Ah oui, pour les habits, faut les laver. Ah non, ça marche pas. Bon, tiens, tiens tes fringues. Oh putain, j'entendrai. Profites-en, refuse, t'entendras plus jamais ça. Hein. Merci, Rufus. Tu es vraiment un ami. Oh putain! C'est tellement bien animé! T'as vu cette transformation? Oh, wow. Ah ouais! Putain! Bien joué! J'ai rien à dire. How can you be a pirate without the cutter? I was gonna say, you old liver spot repository. Mais quel enculé! Comment voyez ta pirate sans le chalutier? C'était pas génial avant! Wasn't that awesome? Avant que je casse tout. You're unhappy, aren't you? Unhappy doesn't even come close. I certainly would be in your place. After all, you slept through all the cool action. En fait, Cletus est là. Cletus is here. He's moved into the room next door. He's probably looking for gold. Oh no. Did he see you? See me? You're talking to the master of disguise, the human cloak of invisibility. Sneakity sneaker, the sneak attack on the soft underbelly of injustice. Hey, keep it down in there. You know, Rufus, maybe it would be better if you stayed in the room. Oh, c'était un peu moins fort là-dedans. Well, I will get you a plasma thingy. But Rufus. Shh, you don't want Cletus to hear you, do you? Come on. Allez, fais-moi un sourire. Give me a smile. Why should I? My cutter is broken. Well, it's not the end of the world. The world is ending. Not until tomorrow morning. Nothing to eat. Il n'y a rien ici à manger, par... j'ai faim, mais tu viens de manger une tourte. Complain, complain. You almost sound like my ex-girlfriend. Tony, or my ex-best friend Wenzel, or anybody else. Ah, Wenzel, c'est ça son putain. That doesn't make you think. A whole lot more would have to happen to make me think. Mais putain. Don't take it. It's just your disgusting appearance. My eyes are smarting already. Mais quel clébard ce type. Oh là là. Hey Doc, you'll never guess nothing. I'm very big. Aw oh, man, you're always... Pourquoi ça peut bien se finir? That isn't my bag. Je ne sais pas. Of course. Can't you see the difference? Sure you can. Especially when you have eyes as good as mine. D'accord. Ah, c'est pas le sac de... Ah non, c'est pas le sac, c'est le sac de Cletus qu'on a. Ah oui. I need it to randomly combine with ice. All right. Attends, mais je fais quoi du coup? J'ai la serviette de bozo. Ah, mais attends, mais je vais lui sécher les cheveux avec l'autre. There's also a care label with sick. It's funny, I'm not familiar with any of them. Attends. Sortons. Allons sécher les cheveux du devin. Hey, I have dirty laundry to wash. So do we all, my boy. But your sect is blocking the machine. Patience, my friend. The ritual won't take long. Uh-huh. Hey, I have dirty soul, but you're patient, the ritual. D'accord. Et du coup. As long as he doesn't miss. Ok. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Si je mets dentifrice dans la capuche. But I can't waste this. I'm thinking of the fans. Il y a peut-être des trucs qu'on a oublié dans la chambre obscure. Non. Non, ça a pas l'air. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Hello, anyone out there? Just the wind. Mais tu crois seulement que ça va marcher? That was to be expected. Not even the wind knows how to behave here. Ah, donc Cletus est con comme un balai. Bon bah ça nous facilite les choses. Ça c'est pas... C'est nouveau ça. Non mais ouais, mais une puissance... Ça c'est triste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, franchement, je sais plus trop...
quoi? Je sais plus. T'as pas essayé l'oreiller dans la capuche? Le quoi? L'oreiller dans la capuche. Ça marche pas. Ah bon? Non, il se passe rien. Non, dans la capuche, pas dans le bras. Ah, l'oreiller dans la capuche! Ouais. Pour quoi faire? Bah, on n'a pas essayé. Je sais plus. And that brings us to phase 3 of my ingenious plan. Ah bah si, ça marche. I call it poetic injustice. Pourquoi? Rien. Bah, non, ça n'a pas marché. This hood has already given us... Il n'a pas fait le geste... Si, si, mais le truc est toujours dans l'inventaire. And that... Il dit vous passez à la phase 3. Non, il doit, ouais, il doit manquer un truc sur l'oreiller. This pillow can first and second to cover a pillow. Dans quoi? This pillow can... Ah non. Ok, à mon avis, avec le bocal, il faut que je chope quelque chose. Mais alors quoi? Quoi? Je peux retourner vers la voie du croiseur, mais y'a rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. I better... Ah putain, mais c'est le café. Non, j'ai le bocal. Mais prends-le, le putain de café. Pourquoi tu veux pas prendre le café? Bon, écoute. Je pense que it is time to ask to us friend. Je vais tenter un truc. Hello? Mais ouais. Room. When will my... De quoi? Du sel? Ah, c'est le pélican. Non, ouais, je l'ai plus le sel. Ah. I would like... Have you selected some... I... Me, please, dining and the... Yes, f... who am I... Remember, Cletus... 12 o'clock, or... 12 o'clock. Ok. Ah, indice. Ça arrangeait pour que devin prenne de nouveau une douche. Mais ouais, t'es marrant, mais... Comment je fais pour que devin prenne une deuxième douche? Il faut que je lui balance de la merde sur la tête. Et cette merde, je peux peut-être la récupérer avec le bocal. Mais je récupère quoi? The heating is off. Oh, ça marche plus, ça. Qu'est-ce que tu veux que je récupère? Enfin, il dit qu'il faut juste mettre... Il m'a dit qu'il fallait juste mettre l'oreiller dans la capuche et lui parler. Et lui dire que tout est ok. Lui mettre l'oreiller dans la capuche, dire que tout est ok. Et lui dire qu'il est parfait. Ah, attends. Tête d'oreiller dans capuche. Même si ça ne marche pas. J'ai l'impression que ça marche, qu'il dit des trucs, qu'il fait le... Mais ouais, c'est trop bizarre. Vas-y, parle-lui, dis qu'il est parfait. Ah, mais oui, putain, parce qu'on a mis des poux. Shampoo. And now, off with you. I have to shower. I need to shoot. Ok. Du coup, il reprend sa douche. The arrival of the diff. Ok. Sauf que ça solutionne que dalle, en fait. Bah... Maintenant, faut lui piquer sa veste. Ah ouais, je fais comment? On va tester tous les items. Testons tous les items, on verra bien. Hein. Non, ça, j'ai déjà testé. Ok, j'ai rien avec quoi je pourrais interagir. On va essayer de voir si je peux pas rentrer. Simplement par la porte, en fait.
Ah si, putain! Ok, il a oublié de... D'accord, bah il avait oublié de verrouiller cette fois, ok. Bah voilà, problème résolu. Du coup... Attends, on peut aller, aller à la buanderie. En fait, on doit aller avec quoi, la buanderie? Non, faut récupérer les trucs de Clétus. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, yes! Well, here I am now. Allez, go pour dire de la grosse merde. Does he bear the holy relics engraved with the insignia? Oh yes, si, je l'ai, ouais. The what? Yes. Relics. Yeah, wait a minute. Il faut le faire maintenant qu'on a son uniforme. Attends, faut juste... faut les reliques. Ouais, les reliques avec les 6 trucs qu'on l'a, c'est la serviette à Bozo. I go with my psychedelic lyrics about relics. They're so mad they'll make your head ache. Yeah, you better call a medic. Putain, mais il nous fout du rap, le mec. Or you're gonna get sick, for we are addicted to the relics with the six insignia. Ah ouais. What? Shh. Why? Didn't we agree on me having a rap solo? So you want relics? All right, if that's all. Bah, lève là. One of the holy relics. Attends, y'en a combien? With the insignia six. One of the oula, holy relics. Ok. On voit là une autre. One of the holy relics. One of the holy relics. Boom, waka 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 waka. Ok. Ok. Voilà, un oreiller. Ah merde, ça marche aussi. Ok, bah nickel. Ok. Yes. Et six reliques en tout. Quoi? Non, trois, c'est bon. Oh la merde! Ah non! Ouh là là, oh là là, oh là là, oh ça tourne! Ah, vous avez des parts. Quoi? Attends, il parle genre posément? On va se faire aplatir. Choisis. Oh merde, c'est un mini-jeu. Oh merde, ah, attends. Alors attends. On se remet correctement parce que les mini-jeux ils nous retournent le cerveau, c'est terrible. Alors, on va voir. sur la... ouais. Serviette, habit de Clétus. Bah, je veux l'habit de Clétus. Ok. Je suis où? Ah merde. Et moi je vois rien sur. Ah oui, c'est un mini-jeu, mais il n'y a pas de. D'accord. Non, ouais. Ouais, ok. 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 Ok, donc le truc avec Clétus, il est là. Moi, je suis là. J'ai rien compris. Instruction. Rufus n'est pas un spécialiste en lavage, mais il sait bien une étiquette. Les symboles permettent de savoir dans quelle machine les vêtements vont passer. Comme il ne peut y avoir qu'un seul vêtement par machine, il faut attendre la direction en chaîne. L'objectif est de faire en sortir au même moment Rufus et le costume de Clétus. C'est la première fois que ça correspond parfaitement à ce qui se passe. C'est vrai. Et ça, c'est beau. Oui. Alors, attends, du coup. Je sens qu'on va y aller au hasard. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai aucune idée de comment ça marche. C'est vrai que c'est un peu bon. Bah, je suis obligé de tout y mettre là. Ah, je crois que je suis sorti avec le peignoir. Ah merde, oui.
Ah merde, effectivement, je suis sorti avec le peignoir. Ah, ça fait un peu yesh. Ouais, mais en soi, là, il est bientôt prêt, le... Faut juste faire sortir... Ah mais il faut que je sorte en même temps. Possible. Ouais, c'est possible. Alors, attends. Donc là, je suis là. Donc si je mets un autre truc, je vais rentrer dedans. Parce que là, je suis à poil. Le truc blanc, il est là. Ah non, attends. Ah non, attends. Moi, je suis là. Le truc avec Cletus, il est là-haut. Donc attends, je vais rentrer les habits à Cletus. Ok, donc là, du coup... On est avec, non? Non, il est à gauche, le truc avec Cletus. Ah oui, d'accord. Et nous, on est dans la machine. Attends, putain. Oh là là. Oh là là là. Alors, attends, le truc avec Cletus, c'est là, et moi, je suis là. Il y a trois trucs en même temps dans le truc qui tourne. Ouais. Attends, il faut que je mette le drap en premier. L'oreiller en deuxième. Là, ça, en fait, il faut que le truc fantôme soit en premier. Ça n'a pas marché. Ouais. Je comprends rien. Il est bientôt l'heure, on va finir ça et arrêter là-dessus. Ouais, c'est fort possible, mais... Je suis pas mal crevé. Attends, du coup... Attends, si on y fout... Attends, on est où, nous? On est là. Du coup, il faudrait qu'on mette... Ah oui, on va rentrer la bille Cletus, là, direct. Comme ça, il est avec nous, là, normalement. Mais non, il est encore à gauche. Et là, il y a tout qui se remet là-haut. C'est à peine chiant. C'est à peine chiant. Alors, j'ai reçu une aide. Ouais. Je vais te donner les deux premiers éléments. Ça, après, t'as déjà un début. Ouais, je suis revenu. Tu sais quoi ça ressemble au début. Je dois y être. Je dois y être, puisque t'as rouge, bleu, vert et blanc. Au début, ouais, on donne les trois reliques et après on est foutu dans la machine avec. Donc faut choisir le drap, puis les habits de Cletus, et après... Hein? Le drap, puis les habits de Cletus? Ouais. Attends, mais alors déjà je suis Keblo. Ah. Attends. On va essayer de faire en sorte de tout renvoyer. Ah. Ah putain, attends. Parce que là, j'ai le drap et les habits de Cletus en même temps. Donc tu m'as dit qu'il faut que je mette quoi en premier? En premier, c'est le drap, puis les habits de Cletus. D'accord. Je mets le drap. Je me fais foutre dans le truc. Donc là, j'ai... Ok, donc là, je mets les habits de Cletus. Ouais... Ok. Ok, donc là j'ai les 4 en haut. J'ai les 4 en haut et les habits de Cletus dans la machine. Ensuite. Ensuite, bah en vrai, je laisse regarder les trucs, mais en vrai, le plus logique, c'est d'envoyer Rufus. On va envoyer Rufus, on verra bien. Il faut que j'en envoie une deuxième. Bah, je pense que tu m'envoies ce que tu veux, non? Non? Attends. Non, bah, je sais pas, moi, on voit le drap. C'est le premier qu'on a mis, donc. Ouais. Faut que j'en envoie encore une.
Ah, elle était d'oreiller. Ouais, oula. Ah non, je suis pas sorti en même temps que le truc. Hein. Là, j'en vois la serviette. Ah, on a pas fait gaffe à qui va où, etc. Du coup. C'est le même. Ah, il y a un bruit. Il y a un bruit chelou. Ah bah si, attends, on va arriver ensemble. Succès des bruits, la grande lessive. C'est bon, on est là. Ah bah oui, bon bah oui, bah... Ok. Évidemment, je le savais. Quoi? Non, je suis pas d'accord. Non, aïe, oula, ah. I feel so dirty. Il crie de douleur. Oui. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Je veux pas savoir. On va attendre les habits de Cletus. Ouais. À quoi il nous sert en fait? Ah non, oui. Oh putain, oui. Oui, oula, oula, oula. Bah en vrai, le seul truc qui manque, c'est la clé. C'est la clé, ouais. Sauf que son culé, il veut pas nous la filer. Again. Attends. Ninja. Quoi? Il va pas changer devant eux. Ça marche pas, ils sont cons, mais quand même. Non mais attends, Yes. Oh, alors on va faire flipper. Hello? You don't have to hide. Oh mais oui, trop bien. You're Roofikins. Ah, screw you. Ah, parfait. Comme ça, on a la clé. C'est moi. Rufinouné. Ouais, hop, pour la clé. Hein. Ouais, voilà, on a la clé. Parfait, ça. On se remet en Rufus. Sortons. Ah, quoique, attends, on va se mettre en Cletus. On va essayer de causer avec le robot. What are you... What are you staring at, Oppenbot? With respect, you look different, Inspector. Yes, that's called cell regeneration, a concept which is of course unknown to you robots. C'est juste qu'on est aussi infect que Cletus, donc en fait ça passe, mais... Oui. What are you... Yes, a concept which may... Ah non, donc on peut rien lui dire, ok. Bon, on va se remettre en refus, écoute, hein. Et on va utiliser la clé sur le boulon. Hey, the art isn't making the guest feel like he's a king. Oh, passez l'heure des dos. Yes. comme par hasard, il était 17h, maintenant il est midi. Yes. Very enlightening. Speaking of which. Ah, je le cachais sur la serviette tout le repas, mais putain. Whoa, I'll be a platypus's uncle. Mais stop avec les platypus, putain. Mr. Cletus, your meal is ready. It's waiting for you. Je t'en dis ta roulette. What meal? The one you ordered, you joker. Rat meat? Certainly not. Believe me, you'll think it tastes heavenly. Of course. Take your time. You see? That's how you do it. Always friendly. Select your phraseology. Une phraséologie. Lie. J'ai jamais entendu ce mot, putain. Ah mais du coup il va le bouffer. Il va mourir. Mais putain. Et pour repasser devant lui, faut mettre le costume, non? Là, ouais, du coup, ouais. C'est pour ça qu'on a le costume, ça c'est bien. Ah, il me... Lag. Le stream lag maintenant. Ah merde, le stream lag? Je sais pas, ça m'a déco, enfin ça... Ah non, moi ça m'a... Ça, ça marche encore. Bizarre. Ah, ouais, on va vers les champs. Ouais. On va rentrer dans la chambre de Cletus.
Ah merde, c'est locked. Donne-moi la chambre, la clé de ma chambre, connard. What are you? Yes, that comes with mail. What the? Don't tell me you're already. I was very hungry. Yeah, our meals will remedy that very quickly. I bet you can hardly. Ah yes, c'est bon. Back to your room. Here's your key. Oui. Ah. You'll find paper bags under the bed. Non, je voulais aller par là. Et on va faire tenir le suspense de ce qu'il y a dans la chambre jusqu'à la semaine prochaine. Yeah. Comme ça, je laisse un cliffhanger. J'aime les cliffhangers. Okay, je vois deux personnes sur le live. Ah oui ? Bah, y en avait une deuxième qui était passée tout à l'heure, mais là, j'ai pas. Ah ouais, moi, je vois deux spectateurs. Ok, bah bizarre. Bizarre. Bon, eh bien écoutez, pour ceux qui regardent la rediff et ceux qui ont regardé le live, même s'il y a personne sur le live à part toi. Enfin, apparemment, il y en a un deuxième, mais. Ouais, quelqu'un qui s'appelle Lurk. Je sais pas qui c'est. Lurk. Mais voilà. Dommage que tu arrives à la fin. Ouais, c'est... Ah oui, deux spectateurs. Putain, ça vient de s'actualiser. Ouais. Ah, ça s'est actualisé. Ouais, c'est bizarre, quoi. Utilisateur Lurk, c'est Yodaliou. Yodaliou, c'est moi. Lurk. Et Lurk. Putain, mais je vois même pas les gens qui a connecté sur le chat, quoi. C'est dans Utilisateur in chat, ouais. User in chat, tu peux voir. Ouais, mais j'ai pas ça sur. Ah. Sur Streamlabs. Moi je sais, je te dis. Donc oui, heureusement, t'arrives à la fin. Oui, dommage, je sais pas depuis combien de temps t'es là. Ah bon, voilà. Ça vient de se mettre. Bon, c'est bizarre. Des trucs en plus. Bon. Bah écoute, en tout cas, bonne soirée. Si tu veux profiter d'un autre live, il y en a un vendredi soir. Et ça sera super. Au pire, voyez les redis sur la chaîne Quartzone. Il peut y avoir au moins 10 heures de redis sur le Déconia. Ouais, c'est ça. Bah, là, c'est le 10ème live qu'on fait. Donc, il y a minimum 20 heures de stream sur des poignets. Ouais. Uniquement sur des poignets. C'est ça. Sinon, il y a 600 vidéos sur la chaîne. Donc, voilà. Allez. Allez, bonne soirée. À plus.